Salut les néo-autonomistes! Dans cet épisode, nous partons dans le Tarn-et-Garonne à la rencontre d'Emmanuel et Thibault. Ils organisent depuis quelques années sur leur lieu de vie des formations à la permaculture, des chantiers participatifs sur l'éco-construction et accompagnent également des projets collectifs. Nous nous sommes focalisés sur la mise en place de leur projet chez Chouette de Vie ainsi que la gestion des chantiers participatifs et vous découvrirez la réalisation d'une magnifique maison en terre paille. Et c'est tout de suite sur l'archipel. Bonjour Emmanuel, bonjour Thibault. Salut. On est dans le Tarn-et-Garonne et on va visiter votre lieu qui est en chantier actuellement parce que vous avez beaucoup de choses à nous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant, s'il vous plaît? Voilà, on est un couple qui avait un projet d'installation en permaculture. Voilà, nous, notre filtre d'analyse de l'espace et notre éthique, elle se base beaucoup sur les principes de la permaculture. Et donc voilà, on avait envie de mettre en œuvre et d'expérimenter sur un lieu. Et alors, quand on dit permaculture, c'est vraiment toute la philosophie qui en découle. C'est pas juste ce qu'on connaît de base. On en parlera un petit peu plus en détail. Voilà. On rentrera peut-être un peu plus dans le sujet, mais ouais, c'est un pas, mode de pas vie la au technique sens agricole, quoi. Ouais. Est-ce que c'est difficile à faire ce mode de vie, cette philosophie, ou au contraire, ça coule de source? À la fois, c'est y a quelque chose de très naturel et en même temps. On peut, comme ça couvre beaucoup de domaines de la vie, ça demande du travail sur plein d'aspects différents et on peut avoir tendance à s'éparpiller un peu. Disons qu'on n'est pas trop construit dans ce modèle-là et qu'on a tellement à déconstruire pour arriver à comprendre un peu les schémas naturels, du coup à retourner vers ces schémas qui sont plus naturels, mais on s'en est vachement éloigné, quoi, et notre culture n'est pas celle... qui découlerait de source, on pourrait dire. Ça, c'est évident. Ça vous dit, on rentre dans la yourte pour avoir un chouïa moins de bruit, et puis on va faire découvrir. Donc ça, c'est votre premier lieu de vie, c'est le lieu de vie dans lequel vous vivez actuellement, pendant le chantier. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ça coûte combien une yourte, par exemple? Ça dépend beaucoup du type de yourte. Les yourtes traditionnelles, je crois que... Yourte mongole, c'est pas trop cher. C'est quand même quelques milliers d'euros. Et puis ça, c'est une yourte moderne qu'on a construite avec l'aide d'une association qui accompagne à l'autoconstruction de yourtes. D'accord, ils existent encore? Oui, ils s'appellent La Freinée. Bon, alors on fait de la pub avec plaisir. Ouais, c'est chouette ce qu'ils font. Et ils sont du côté de Niort. D'accord. Dans le Marais Poitevin. Et ils bougent partout en France? Non, on est allé là-bas construire la yourte. En fait, ils ont un atelier tout équipé. Et en gros, tu vas là-bas, eux, ils te donnent les différentes étapes. Ils sont derrière toi de temps en temps. Et puis, tu te débrouilles pour faire ta yourte. Et c'est cool, quoi. Ils t'accompagnent pour la faire, quoi. Et ça vous fait des économies par rapport au fait de l'acheter? C'est 30% à peu près d'économie. Et nous, elle nous a coûté 15 000 euros. Ouais, quand même. Quand même, c'est un budget. C'est un budget. Neuf, c'est un budget. Ouais, neuf, du coup, parce que les matériaux sont neufs. Ce qui coûte cher, ça va être les menuiseries, parce que là, c'est du chêne, c'est fait sur mesure. Ah, d'accord. Ouais. Le dôme qui s'ouvre depuis l'intérieur et qui est en polycarbonate. Et après, tout ce qui est l'isolation en laine de mouton. Et le liège au plancher, quoi. Et le liège au plancher, ouais. Et la toile externe. En fait, tout un petit coup, mais ce qui coûte vraiment cher, c'est les vitrages, surtout les menuiseries, quoi. Ça fait combien de mètres carrés au sol? Là, on est sur du 50. 50 ouais. Pour 15 000 ouais. Ça va, attends, ouais. Tiny house, 25 mètres carrés à 80 000. En fait, on voulait pouvoir s'installer rapidement sur le terrain, mais on savait qu'on en aurait pour longtemps. Donc, on voulait quand même être confortable. Et en plus, on avait les outils à stocker, il nous fallait un peu de surface. Et la yourte, c'était
la solution. Ouais, c'était un super compromis pour nous. Autant au niveau du... On savait qu'on en avait pour quelques années, quoi. Donc, un mobil-home, il y en a plein qui le font, caravane aussi. C'est chouette, bravo. Nous, on n'y arrive pas. Voilà, et puis, on est bien en hiver. Ouais, on est confortable en hiver. Vous avez fait votre poêle vous-même, vous m'avez dit. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Parce que si on est bien en hiver, ça veut dire que ça a été bien conçu. Ouais, le poêle est chouette, ouais. C'est un poêlito. Ouais, c'est un poêle qui a été conçu par l'association Dès Demain. Enfin, c'est eux qui ont conçu le système, quoi. Nous, on l'a fait en autonomie, quoi. On n'a pas été accompagné pour le faire. C'est Manu qui a géré ce chantier-là. Et en gros, c'est un poêle sur le modèle du Rocket Stove de masse. Donc, un modèle d'une bonne combustion efficace. Ah, c'est rempli de sable. Je te laisse pour vas-y, la suite, c'est toi qui l'a construit. Oui, en chantier, donc avec l'aide de bénévoles. L'idée, c'est que il y a tous les plans sur Internet, donc ça c'est super, c'est super ouais, bien expliqué. Il y a aussi David Mercereau qui a un site Internet et une chaîne aussi, je crois, qui a pas mal travaillé dessus. Et donc on est parti de leurs travaux et on a juste reproduit la construction. Donc, il y a la moitié, en fait, qui est coulée dans du ciment réfractaire, donc qui résiste à la chaleur. Donc, c'est de la brique réfractaire concassée, mélangée avec du ciment fondu. Et à l'intérieur, on va créer des moules en carton, enrobés de cellophane pour pouvoir les enlever par la suite. D'accord. Et donc, on positionne les moules pour faire, en fait, les tuyaux, le foyer du poêle, etc. Donc la moitié est coulée là-dedans dans du ciment réfractaire et l'autre moitié est démontable pour en fait réduire le poids parce que juste avec la partie ciment ça fait 150 kg et avec le sable ça fait 250 kg. Donc pour pouvoir, pour que ce poêle puisse être semi-démontable, c'est ça. La moitié est faite de sable et d'une tuyauterie amovible en fait. Et le plancher ça va par rapport au poids c'est pas tant que ça, on l'a pas renforcé parce que le solivage est déjà pas trop mal, mais c'est pas non plus comme un poêle de masse en queue en brique réfractaire qui peut peser une tonne, deux tonnes, trois tonnes. C'est un petit poêle de masse qui est fait pour les habitats légers et les petites surfaces quoi. Et Emmanuel, t'estimerais à combien à peu près le coût pour de fabriquer, enfin au moins en tout une fois que... Ce qui coûte le plus cher c'est la tuyauterie. Moi, je dirais, ouais, c'est ça, je crois que... Alors, je me souviens plus la répartition, mais en tout, je me souviens, on avait compté 450 euros, mais en comptant l'extraction, les tuyaux de poêle, quoi. Et ça doit être 20 euros le mètre, quoi. Donc, ça, à 4 mètres, ça revient... Je dirais même, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Mais... C'est plus 35, ouais. C'est cher. Hein. Ouais, ça a pris grave. Ça dépend, vous êtes lancé en quelle année, quand vous l'avez fait? 2018. Fin 2018. Ouais. C'était cher. Après, on en avait trouvé en recyclerie, mais après. On les a achetés quand même, mais 5 euros le tuyau. Ça, c'est de la récupération. La vitre, on l'a récupérée sur un foyer insert. Aussi, un vieil insert. On achète la chamotte. On a acheté la chamotte, le sable, le ciment fondu. Mais c'est surtout les tuyaux de poêle, en fait, qui coûtent cher. T'as à peu près 200 balles, et après, si t'arrives à récupérer des tuyaux de poêle, ça te coûte à peu près 200-250 euros, quoi, en gros. C'est pas énorme. Non, ça équivaut à un poêle norvégien qui coûte à peu près 3000, quoi. Allez, ça va. C'est pas mal. Ouais, au niveau de l'efficacité, on est vraiment content. On consomme une à deux stères par an pour se chauffer. La stère, on a un petit plan récup. On récupère les chutes d'une... Comment on appelle ça ? D'une parquetterie, en fait. Et c'est des chutes de parquet qu'ils ne s'en servent pas. Et du coup, ils vendent le ballot à 20 balles. Donc, ça fait 20 balles la stère. Bon plan. Et nous, on en fait des lithos qu'on déline pour la construction. Donc, on utilise pour la maison. Et après, le reste, ça va pour le poêle. Donc, en gros, on achète à peu près deux gros ballots. On a plein de lithos en chaîne. Trop bien. Avec construire. Et le reste... J'adore ces systèmes D. C'est technique. C'est, cool. c'est business, comme on dit, pour avoir des économies et tout. Ouais. Bien. Ouais, et puis voilà, pour éviter d'utiliser du bois, là, on récupère du bois. Ouais. Et puis aussi parce que c'est fait pour mettre des petites sections de bois, des toutes petites sections. Donc au début, on fendait le bois, ça nous a aussi simplifié la vie de faire juste... Tu remplis par là, excuse-moi, tu remplis par là. Oui, on remplit par le haut. Ok. Et on allume par le bas, là, il y a un cendrier. Excellent, je n'avais pas vu.
Et en fait, les fumées, elles passent à l'intérieur par le bas, elles remontent, elles tapent contre la vitre, elles redescendent sur les côtés. Excellent. Et ensuite, ça s'évacue, ce qui fait que la chaleur circule et a le temps de chauffer la masse qui va ensuite diffuser la chaleur dans la pièce. Vous n'avez pas trop chaud même des fois ? Non, ça va, parce que vraiment, ça absorbe pas mal la chaleur avant de la restituer. Et c'est quand même une masse qui n'est pas si énorme que ça. Vu qu'il n'y a pas de masse dans la yourte, il n'y a pas d'inertie dans une yourte en fait. Il faut un peu d'inertie. La maison Interpaille, c'est mieux pour ça. Et comme tu vois, ça crabe fort, quoi. Ça, c'était une grosse plaque en acier. Elle a bien bougé. Le seul moment où on a trop chaud, c'est quand on fait une flambée. Ouais. Et en fait, il fait soleil et on est en plein hiver. Comme on a la baie vitrée plein sud, ça met à chauffer et il fait 30 degrés. Enfin, si on a fait les deux en même temps, ça fait monter la température. Ça fait 2 ans que vous êtes dans cette yourte alors à peu près. 3 ans du coup. 3 ans. Ouais. En fait, dès le début, on a mis la yourte. Direct. On est arrivé ici, on louait un gîte pour pouvoir faire le chantier pendant 2 semaines et on a monté la yourte, fabriqué le poêle et les chiottes. Et hop, un petit matelas de camping, un réchaud à gaz et on était parti quoi. Parti, ouais. Vous savez que ce serait long, mais est-ce que vous vous êtes donné un petit peu, même si les plannings ça sert à rien en construction, vous êtes quand même. on voit les connaisseurs. On est en gros planning. Alors on est des méga là on a un planning sur 5 ans. Sauf que on est en train de comprendre des trucs au niveau de notre vie. Qu'en fait il y a pas de tunnel. Il y a pas de bout de tunnel parce qu'il y a juste pas de tunnel quoi. Et c'est le chemin qui est beau. Ouais. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est pas facile. Mais on commence à peine à prendre conscience de ça et c'est chouette. Mais ça, on rentrera dans le détail en fin de vidéo. J'aime bien au début montrer aux gens, puis après la philosophie, comment vous en êtes arrivé là. Je profite juste, on est dans la yourte. Je vois quelques... Alors, je pense que c'est des infiltrations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi c'est dû ça, en si peu de temps, je suis assez étonné. Ouais, vas-y. En fait, c'est la toile de la yourte, ça bouge. Alors, il y a des systèmes pour les maintenir. Il y a des cordes tempêtes qui permettent de la garder en place. Mais en cas de grand vent, ça va bouger. Du coup, ça va se décaler. C'est un peu comme un bateau. Il faut régler de temps en temps. Et là, voilà, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que la toile s'est décalée. Et vu la taille de la yourte, c'est assez difficile à replacer. Et du coup, on a eu quelques infiltrations sans grande gravité. Mais voilà, ça fait partie de la vie de cet habitat quoi. Ça arrive qu'on mette la baignoire de la petite pour choper l'eau qui tombe. À ce point-là encore. Wow, après voilà, on s'y habitue. Nous, c'est vrai qu'on vient un peu. Enfin, en fait, on a tellement de trucs en même temps que des fois, on a du mal à prendre le temps de gérer correctement les choses qu'on fait. Et ça, c'est important de le préciser. On lâche un peu prise et. Non, puis c'est du détail peut-être par rapport à ce que vous attend à côté. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est cool. Et puis après, vraiment, on y vit très bien dans la yourte. C'est pas du tout humide, au contraire. C'est plutôt un espace sec. Ouais. Il a dit la petite, donc vous êtes 3 dedans. Oui. Pour savoir. Il y a son lit qui est là, en fait. Non, t'embête pas, mais... Pour la cacher du soleil, mais c'est son lit, en fait. On a tout maintenant. On a l'eau, l'électricité. Enfin, au début, on a fait sans eau, sans électricité. Enfin... Ouais, disons qu'avec un système... On avait un système de rallonge et l'eau, on allait la chercher. Puis on n'avait pas d'eau chaude, donc on faisait cuire sur le poêle pour se doucher et tout. Et des fois, progressivement, la gazinière, on a mis la flemme, le confort, quoi. Ouais. Et puis avant que la petite arrive, on a mis l'eau chaude et elle a 2 ans, en fait, notre petite. D'accord. On s'est dit, vas-y, on prend un peu de confort, on vient à l'atelier, on a construit un atelier. Ma question, c'est souvent... Les gens, je l'entends souvent dans mes abonnés, « Ouais, mais j'ai des enfants, je ne peux pas me lancer dans un chantier aussi ambitieux avec les enfants. » Ben voilà, merci de montrer le contraire. Ça apporte de la complexité, mais en même temps de la joie et plein de choses, quoi. Je pense que c'était On savait qu'on était parti pour des travaux pour des années, donc on n'avait pas envie d'attendre d'avoir fini pour avoir un enfant, donc on l'a eu en plein dedans. Emmanuel Thibault, on va faire un petit tour, parce que vous avez plusieurs activités. On va en parler. Ça vous dit, on va voir un petit peu dans le alors j'allais dire le potager, mais je vois, il y a aussi des arbres. Oui, un petit peu, ouais. Le verger. On est sur combien de milliers de mètres carrés ou d'hectares ici ? 1 hectare en tout. 1 hectare en tout ? Ouais. D'accord. Vous avez payé ça combien, sans indiscrétion ? 30 000 euros. En constructible ? Ouais. Ouais. Avec 2 mois, par contre, pour réaliser le permis, c'est parce qu'il passait en agricole, en gros. C'était un peu le délai. Il y avait un CU. Attention, ça glisse. Ouais, t'inquiète pas. Je suis reporter de l'extrême. T'inquiète pas. Et donc 2 mois parce qu'il passe en agricole, tu me disais. Ouais, c'est ça.
Il y avait un CU qui avait 2 mois de validité et qui avait déjà été renouvelé plusieurs fois, donc c'était plus possible de redemander après. Ouais. Et là, la tendance actuelle est plus de rendre constructibles des zones qui sont à côté des bourgs de villages et inconstructibles des zones excentrées. Et là où tout le monde veut aller. Bah, y a une logique dans un sens par rapport au réseau, tout ça, de faire moins de frais pour les réseaux, mais par contre, il n'y a pas du tout de logique vis-à-vis de l'autonomie, de la résilience et d'arrêter d'avoir des. Comment on appelle ça là, les trucs où ils mettent plein de maisons. Des pavillons, des zones pavillonnaires. Voilà, faire que des pavillons dégueux avec une pelouse tondue toutes les deux. Faut pas oui, je vais montrer aux gens. Je pense pas que ce soit la philosophie ici. Et alors, on risque de voir un peu de monde. Donc vous avez, alors c'est plus une association, mais ça s'appelle Chouette de Vie. C'est, tu m'avais dit, c'est quoi, c'est une SKIC. En fait, alors on est rentré dans une SKIC. On était une asso. On a créé Chouette de Vie en 2014, donc il y a 8 ans. En fait, on avait un projet en Afrique de l'Ouest, au Togo. Enfin, on a toujours ce projet-là qu'on accompagne de loin. Mais c'est vraiment les Togolais qui gèrent ce projet-là, maintenant. Enfin, depuis le début aussi, mais maintenant, on n'est vraiment plus trop présents. Et du coup, depuis, on a créé Chouette de... Enfin, depuis, on a changé en mode association à SKIC. On a rejoint une SKIC pour pouvoir se salarier, avoir plus de cohérence aussi au niveau de notre éthique, parce que c'est notre vie, notre métier aussi. On est formateur consultant, formatrice consultante en permaculture. Et plus on vend des plants, on vend un peu de semences, on fait différentes choses. D'accord. Et voilà, on souhaitait au bout d'un moment pouvoir se rémunérer aussi de notre activité. Ce qui n'est pas encore le cas, mais on tend vers ça. Et du coup, par ça, plus plein d'autres raisons, on a rejoint un modèle coopératif. D'accord. Mais en fait, SKIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Voilà, j'allais vous dire, c'est quoi la différence avec une association? C'est une entreprise déjà. Donc il y a quand même un but lucratif, mais d'intérêt collectif. Donc tu peux pas non plus faire n'importe quoi en SKIC. Et le modèle de la SKIC qu'on a rejoint est quand même vachement branché sur l'écologie, les projets alternatifs, mais plein d'autres choses aussi, la gouvernance agile, la sociocratie, plein de trucs quoi. Oh, je sens qu'il va falloir un petit peu développer tout ça. Avant de développer, après on se posera tranquillement. Ouais. Vu que vous avez fait quand même, vous avez fait des certifications en permaculture, je présume qu'on va parler un petit peu jardin, surtout avec ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel genre de climat on a ici dans le Tarn-et-Garonne? Est-ce que vous avez de l'eau? Comment vous gérez un petit peu là, vraiment sur la partie agriculture? Comment vous gérez? Tu vas, j'y vais. Vas-y, ouais. Okay. Vas-y, je me permets, on fait un petit tour en même temps. Alors, on a un climat plutôt sec en été, assez normalement pluvieux au printemps et à l'automne. Comme des moussons. Ouais, un petit peu, mais pas cette année. On a un climat qui change. Clairement, je sais plus si on peut parler d'un climat stable, tu vois, normalement on dirait continental avec non, des. Normalement c'est un climat. Méditerranéen avec des influences. Océaniques. Voilà. Ouais, mais en fait, de plus en plus, c'est plus vraiment le cas. On a des dérèglements qui sont tellement importants que là, on a eu du 37 degrés mi-mai. Et ouais, il y a une semaine ou 10 jours, là, on avait 37 degrés pendant 2 jours. 3 jours après, on avait 9 degrés le matin. Oui, et puis tu vas avoir 15 jours de pluie non-stop en juin, puis après 2 mois sans rien. C'est ça. Donc, on a un climat et on s'adapte en fait un peu plus. Et comment on s'adapte alors sur ce genre de climat? Parce que là, vous avez un retour d'expérience de, alors 2018, je suis très mauvais en chiffres, de 4 ans à peu près. Ouais, 3-4 ans sur ce terrain-là. Ça pousse quand même pas mal, vous avez de l'eau? On a de l'eau, on a une source qui alimente une mare dans laquelle on pompait, je dis bien pompait parce qu'en faisant plein de choses en même temps, il y a pas mal de problématiques qui se posent à nous. Ah bah alors n'hésite pas à en parler, ça m'intéresse vachement aussi. Par exemple la circulation au sein du lieu et le fait qu'il y ait des tuyaux temporaires, des solutions temporaires qu'on a mis en place avant, des solutions durables comme des bassins de rétention d'eau, etc. qu'on souhaite faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ah, faites gaffe au temporaire permanent, ça j'en entends souvent parler dans les projets. Et là, justement, c'est un peu ça. Ça va, parce que ça fait que 3 ans, donc ouais, y a plein de trucs partout. Hein. Ouais, t'inquiète. tu vois, justement, ce tuyau-là, qui est... lui, normalement, en fait, on a 8 mètres cubes là-haut qu'on pompe dans la mare et il nous permet d'alimenter la serre
Parce que là où on arrose, nous, c'est à la plantation, énormément. On arrose énormément la plantation pour vraiment saturer le sol en eau et faire reproduire une énorme pluie. Plus on fait un gros paillage à l'automne, de préférence. Et on arrose normalement pas de tout l'été. Mais là, on est dans un cas un peu exceptionnel. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, par rapport au temporaire, bah en fait, ce système, on l'a débranché parce qu'il faut qu'on débroussaille la zone de temps en temps et que c'est un copain qui est agri qui passe le broyeur et qui nous a broyé le tuyau deux fois parce qu'on a oublié de l'enlever. Enfin, et bref. Ouais. Ça, c'est embêtant. Et vu qu'il n'est pas enterré, bah voilà. Alors, t'inquiète pas, avec moi, on part dans tous les sens. On expliquait aussi que vous êtes un peu embêté parce que vous avez voulu partir dans plein de trucs. Et vous vous freinez quand même. Est-ce que tu peux nous raconter vos déconvenues ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les choses que vous avez mis un peu en stand-by parce que c'était un peu trop ambitieux par rapport à tout ce que vous mettez en place ? Est-ce qu'on a mis des choses en stand-by ? Oui, on a démonté. On a arrêté la récupération d'eau à cause de ce problème de tuyau. Mais les oies aussi, du coup. On avait 15 oies, ouais, qui pâturaient en pâturage tendant dynamique pour justement pas avoir à tondre l'herbe mécaniquement. Ce qui est chouette, très chouette, franchement, on était très contents de ça. Ça nous faisait, bon, on n'est pas végétarien non plus, donc on mange de la viande, ça nous faisait beaucoup de graisse pour l'hiver et une source animale, quoi. Et en même temps, ça tondait l'herbe, vraiment super bien. Ouais, ça fait le taf. Ouais, ça fait vraiment le taf. Par contre, on avait l'eau à déplacer tout le temps, les lecs à déplacer tout le temps, on était en chantier, on construisait la maison, une petite de 6 mois dans le dos, c'était chaud, quoi. Et puis les oies, plus le potager. C'est délicieux peut-être, là, pour le début. Ouais, voilà. Ouais, on est arrivé, c'était juste une prairie, donc il n'y avait pas d'arbres. Et c'est vrai que ben, les oies, elles souffraient un peu en été avec la chaleur. On essayait de les garder à l'ombre comme on pouvait, mais c'est vrai que ça complexifiait. Genre, là, les frênes, ils ont 3 ans. Ah, ok. 3 ans et demi. C'est des frênes, je présume. Ouais. En fait, ils étaient recépés mécaniquement par quelqu'un qui venait faucher le terrain. Et du coup, en bas, t'as des gros troncs. Mais vu qu'ils étaient recépés chaque année, en 2-3 ans, par contre, ils ont poussé, quoi. Ils ont les pieds dans l'eau, je présume. Plus ou moins, ouais. Il y a une source qui passe par là. Ouais, c'est une zone humide ici. On le voit avec le faux sureau. Bah, si vous voulez qu'on se rapproche en même temps pendant que vous me racontez le. Je ouais. suis, hein, j'arrive pas à voir où passer, c'est pour ça que je reste un peu bloqué. Ouais, je peux te comprendre vas-y, des fois. Ah ouais, quand je suis chez les gens, j'ai peur de là où je pose le pied. Excuse-moi, donc tu me disais, au fond, vous faites quoi avec la mare ? Tu me racontais. En fait, du coup, on a arrêté de pomper dedans. Par contre, on se baigne dedans. C'est notre piscine naturelle de tous les l'été, quoi. C'est cool pour les chantiers, se rafraîchir un peu. Tu dis tout l'été, mais même printemps. Il y a une semaine, on était dedans. Après, maintenant, même printemps, mais voilà. Elle est quand même à 15 degrés. Il faut qu'il fasse chaud pour avoir envie de s'aider. Enfin, franchement, ça fait du bien. Ouais, par contre, c'est chouette. Surtout après une bonne grosse journée de chantier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Vous êtes jusqu'à combien sur un chantier au maximum, pour savoir un peu ? Alors là, on est en petit nombre sur celui-là. D'habitude, on prend 14 bénévoles. Donc, et on gère avec Manu. Manu gère la moitié de l'équipe, moi la moitié de l'équipe. Et on a différentes tâches sur un chantier à chaque fois. Du coup, c'est plutôt comme on ça. On travaille en binôme beaucoup. Ouais. Ouais, ce qui est intéressant, ce qui me semble avoir compris, vous prenez des professionnels qui vous forment et forment les gens en même temps. Alors non, là c'est en fait là c'est un peu exceptionnel. On a pris un pro pour les deux premiers chantiers sur la maison. Il y a eu 7 chantiers pour le moment, sans compter celui-là sur la maison. On a pris un pro pendant les deux premiers chantiers, puis qui est parti. Mais on a eu toute la charpente à faire, tous les murs à finir, etc. Et lui, il était parti après, il ne revenait plus. Il nous forme pour un temps, et après on est autonome pour les autres, pour gérer nous les autres chantiers, quoi. Et là sur les enduits de finition, c'est le cas avec Mathieu. Qui vient nous former au top pour que après on soit autonome pour finir totalement les enduits. Et bon, après nous le reste la maison ça va, mais c'est surtout les enduits, quoi. On ira filmer ça, j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. On profite qu'on soit un petit peu là. Qu'est-ce qui pousse le mieux, le plus simplement ici chez vous? Les courgettes. Les tomates. Les courgettes. Les légumes d'été, puis c'est le moment. En fait, nous, on n'a pas le temps en été de mettre en place des choses pour le potager d'automne, d'hiver et de printemps, quoi. Donc, on met un coup de travail au printemps. On plante et après, l'idée, c'est qu'on a un très grand potager parce que l'idée, c'est de nourrir les bénévoles et les stagiaires qui viennent ici. Donc de manière naturelle. On arrive avec nos légumes à nourrir une vingtaine de personnes l'été, pendant la saison de juillet à fin septembre, quoi. Vous pouvez être 20 sur le chantier.
Bah, en tout, tu vois, ils sont 14 bénévoles, plus nous. Et quand on est, bah, quand on est en stage, surtout, on est un peu plus nombreux. Sur un cours de conception en perma, on peut avoir 30 stagiaires, quoi. Vous êtes formé où ? À quel endroit en perma ? Alors, un peu partout. Ah, il y a pas, ouais, il y a plusieurs lieux. Ouais, bah moi, j'ai fait l'université populaire de perma en tant que compagnon. Donc, en gros, j'ai bougé. En fait, c'est un peu comme du woofing. J'ai bougé de lieu en lieu. Donc, je me suis formé chez Andy et Jesse Darlington, Pascal Depienne, plein de gens, en fait. Beaucoup de Steve Reed, Antoine Talin, enfin, tous ces gens-là. Je suis allé vivre chez eux pendant au moins un mois, de 1 à 6 mois, ça dépend lesquels, quoi. Et on a, enfin, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, et Manu aussi, après, a fait ça. Et après, voilà, Andy et Jesse, les cours de conception qu'on donne ici, on co-anime. Il y a par exemple Andy et Jesse Darlington qui ont le lead sur la formation. Là, ils viennent ici, d'accord. Ouais, eux, ils viennent cette année, ouais. Et on a d'autres aussi formateurs qui viennent chez nous, quoi. On a Hervé Covez aussi qui vient de temps en temps. Dis donc, bien. Ouais. Des beaux noms. Ouais, il est chouette, Hervé, ouais. J'ai pas eu la chance encore de le rencontrer, mais je suis quelques-unes de ses interventions. Ouais, c'est beaucoup. Super gars. Et même les Darlington, je sais qu'on a des amis en commun. Ouais. Ils m'ont bien dit Arnaud et Florent, j'ai passé le message. Et je sais qu'ils me parlent souvent des Darlington. Ah, si tu veux passer aussi pendant le stage, tu seras bienvenu. Hein. Eh ben, écoute, on parlera. On leur laisse le message. Et Pascal Depienne, je dois aussi aller le voir, mais c'est vrai que. Ah ouais, ce serait chouette. C'est un peu loin quand même. Ouais, c'est loin. Mais si jamais tu montes là-haut, vers Paris. Quand tu, si tu vas à Paris. J'y allais en TGV, donc c'était un peu... Ouais. Ils ne voulaient pas s'arrêter devant chez eux, je me demandais. Mais Pascal et Chenly Depienne, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, ça a été vraiment... pardon, le micro. J'ai fait un chantier participatif chez eux en 2-3 semaines, en 2017, je crois. Et ça a été vraiment une révélation. Ouais. Et c'est ça, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Chantier participatif. Mais c'est le Covid qui m'a calmé pour tous ces déplacements. Mais Pascal, promis, je viendrai. Je ne sais pas quand. Maintenant, je ne dis plus quand, mais je viendrai. Ça a été une grande source d'inspiration. Ouais. Sûrement qu'il regardera peut-être la vidéo. On lui passe un grand coucou et merci pour ton inspiration. Et pareil, Andy et Jesse Darlington qui sont une super source d'inspiration pour nous aussi. Quoi. Steve Reed aussi, ouais. J'en entends souvent parler. Et ça, donc, quand vous faites vos formations, vous ramenez des gens de l'extérieur. Ça, c'est génial de pouvoir... Ouais. Bah, les gens viennent vivre, en fait, chez nous pendant 2 semaines. Nous, on aime bien les temps longs parce que ça permet vraiment de s'apprendre à se connaître et s'imprégner du lieu. Et des gens aussi, humainement, c'est hyper intéressant. Pareil pour les chantiers, en fait. Les chantiers, on fait 3 semaines de chantier. Ça vous dit... On bouge un peu. Les plans fixes, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, ouais, j'ai peur des plans fixes, mais je t'écoute. Donc, tu me dis 2 semaines de chantier ? 3 semaines, ouais. 3 semaines de chantier. Ouais. Et les gens viennent pour 3 semaines, du coup. Et restent pour les 3 semaines tous ensemble. On a un groupe qui vit ensemble pendant 3 semaines, quoi. Et la formation, elle dure combien de temps ? 2 semaines. C'est ça, 2 semaines, ouais, d'accord. Les CCP, c'est deux semaines. On fait deux choses, du coup. On fait des chantiers participatifs qui sont gratuits. Hein, les gens viennent bénévolement. Et nous, on leur propose d'apprendre à faire, en fait. Et on a des formations où là, on fait venir des formateurs. Ou alors, nous, on enseigne. Voilà, ça se passe comme ça. Et en général, les formations, c'est plutôt soit sur un week-end, soit sur 2 semaines. Et par contre, les chantiers, c'est plutôt sur 3 semaines. Ouais. Voilà, pour avoir un groupe, une vie de groupe, voilà, on préfère les temps longs. Ouais. Et là, vous me dites que vous arrivez à nourrir à peu près jusqu'à 20 personnes sur la saison forte. Ouais. On est sur combien de mètres carrés pour que les gens aient une notion des surfaces ? Sur le potager ? Ouais, sur le potager. On est sur 1000 mètres carrés à peu près, je pense. Et 300 mètres carrés de planches. Donc, 300 mètres linéaires de planches à peu près. Après, on n'est pas en bio-intensif. On a une gestion pas au top parce que voilà, on a peu de temps pour faire les choses et on fait plein de choses en même temps. Mais voilà, après, on fait des choses qui n'ont pas besoin d'eau et pas besoin de trop d'attention. Donc, parce que en fait, on a la mare et après, on a l'eau du réseau, mais surtout. Sur 300 mètres de planche en plein été, déjà on n'a pas le temps d'arroser et ensuite on n'a pas envie de dépenser toute cette eau
On a prévu hein, par la suite de faire des systèmes voilà, de bassins, de rétention d'eau, avec arrosage par gravité, tout ça, mais des baissières. Ben, en fait, là, le potager, il est en courbe de niveau. Un poil désaxé, certaines planches sont désaxées des courbes de niveau pour faire mieux circuler l'eau. Et entre chaque planche, il y a, enfin, le passe-pied est désaxé de la courbe d'avant pour pas avoir deux passe-pieds d'affilée dans la pente. Tu vois, c'est ça le passe-pied, excuse-moi, est-ce que tu peux... En gros, là, si tu descends, pour pas qu'il y ait une autre... Tu vois, là, tu peux passer par là. Si tu passes par là, tu as une planche de derrière. Voilà, comme ça, ça arrête l'eau. Enfin, ouais, l'idée, c'est que quand il pleut, ben, ça permet de freiner l'eau. Ouais. Et en même temps, le fait que ça soit des buttes, ben, ça permet non plus en hiver ou à l'intersaison que les légumes n'aient pas les pieds complètement dans l'eau. Parce qu'on a une terre très, très argileuse. On a bienvenue au club. Presque 50% d'argile. Voilà, donc, ouais, on a vachement d'argile. Ouais, ouais, c'est vite de la croûte. Ouais. D'où je voyais des bâches, les bâches, ça vous permet de garder l'eau En fait, là, c'est surtout cette planche-là. La partie en bas, c'est une zone humide. On a vraiment du mal à gérer l'enherbement. Qu'on mette 50 cm de paille ou quoi, ça passe. Du coup, on a des bâches qu'on a récupérées après le chantier de la maison pour la toiture. Et du coup, ça nous permet un peu de gérer l'enherbement, mais comme tu vois, ça marche pas très bien non plus. Hein. vaut mieux avoir trop que pas assez. Hein, ouais, voilà. En bon, après, en fait, ce jardin-là, pour le moment, voilà, il nous permet de nous nourrir et de nourrir les gens qu'on accueille. Mais il est plus voué à devenir un jardin forêt. Et notre jardin à nous, en termes de légumes, il va plus être proche de la maison. En fait, au niveau du zonage sur le lieu, on a trois zones de vie principales. On a une zone de vie à la yourte, une zone de vie cuisine d'été et une zone de vie maison. Et on a conçu le lieu pour que les deux zones d'habitat permanents peuvent avoir leur intimité et en même et temps rejoindre le milieu. Voilà, et en même temps les espaces communs peuvent être utiles pour les deux. Tu vois, il y a l'atelier au milieu, la serre et la cuisine collective. Je montrerai une vue drone. Ouais, pour que les gens ça puisse leur parler là-dessus. Ça roule. Bah écoute, c'est cool de voir ça. Et vous avez planté quoi alors parce que tu veux que ce soit plus tard une forêt comestible? Ouais, alors plus bon. Petit à petit, on a peu le temps de planter. Ouais, on a peu le temps en fait, de s'occuper en fait des vivaces et d'en prendre soin, de les arroser et tout. Comme je disais, on n'arrose pas trop. Ouais, du coup, les vivaces, voilà. C'est bien de le dire. C'est bien. On a planté quelques arbres, mais comme on a eu des pertes parce qu'on n'a pas pu s'en occuper. Ça vous dit, on avance un chouïa pour avoir un peu moins de bruit. Oui, t'aimes bien qu'on se déplace. Non, il n'y a pas que ça. C'est que là, le bruit aussi, ça risque. Tu sais, si on est en plan fixe plus bruit. Excuse-moi, Emmanuel. Vas-y. Donc voilà, là, on a un pommier, par exemple. On a planté un pommier, un pêcher, quelques arbres vraiment assez rapidement, quoi. Il y a combien de temps? Il y a 3 ans? Il est gros déjà, là, pour 3 ans. Lui, ouais. Ouais, celui-là, on l'a planté il y a 2-3 ans, je crois. Il faudrait, par contre, mais voilà, on n'est pas trop comme on... Ouais, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper des arbres. Mais tu vois, on fait chaque année, on se débrouille tout seul. Ouais, plus ou moins, à part le fait de le tailler, après... peut-être un peu. Ouais. Après, on fait chaque année plein de boutures, de cassissiers, groseilliers, des muroises aussi, un peu de vignes. Et ça, on les implante. Et puis, ce qui vit, vit. Ce qui ne vit pas, ne vit pas. Comme ça, vous ne vous battez pas trop avec la nature, vous l'accompagnez. Ouais. On essaye que ça... Bah, en fait, c'est surtout qu'on a peu de temps pour en prendre bien soin. C'est vraiment le chantier qui vous prend le plus de temps ou vos activités en plus à côté? Tout. Le fait d'avoir trop de trucs en même temps. T'en parlais, tu veux qu'on le développe tout de suite? Parce que déjà, vous en parliez tous les deux. Comme ça, on arrête d'en parler. Non, mais bah, au contraire, je te disais, c'est vachement important ça, d'en parler. Emmanuel, qu'est-ce que tu ne fais plus? Parce que j'ai demandé, je crois, tout à l'heure à Thibaut, qu'est-ce que tu ne fais plus que tu faisais au début? Ben justement, je cherchais tout à l'heure. Je ne sais pas si on a vraiment ralenti, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait envie de développer, enfin, quelque chose qu'on aimerait développer plus, c'est le végétal, le jardin, etc. Clairement, on essaye de réduire la diversité au potager parce que ça amène de la complexité. On s'est dit qu'on mettait à plus tard les plantations d'arbres aussi. Peut-être que c'est dans un an ou deux. Ah, moi, je l'aurais fait en premier, ça. Bah, en fait, nous, on a fait en premier le contour, on a fait les haies. On a planté 350 arbres. Ah oui, quand même. Ouais. Mais après, tu vois, à l'intérieur, on a beaucoup de travail de terrassement pour justement créer nos bassins, nos réserves d'eau, les drains, tout ça.
Et le truc, c'est que si on plante un arbre à un endroit qu'on n'a pas encore totalement fini la conception et qu'on n'est pas sûr de nous, ouais, et qu'on doit passer derrière avec la pelleteuse à cet endroit-là, et ben l'arbre, voilà, ça va être compliqué pour lui. Qu'on essaye de bien... C'est des erreurs qu'on a faites au début. Tu vois, par exemple, pour l'eau de ville là, qu'on a, parce qu'en fait, le terrain était viabilisé, d'accord, on a fait le chemin d'accès. Et après, on s'est dit, merde, l'eau de ville, elle est de l'autre côté. Il faut faire le tour du chemin d'accès pour l'amener à la yourte. C'est un peu con, tu vois. Ouais, après, c'est quoi, quelques dizaines de mètres de plus pour le, en tuyau? Ouais, mais ça fait surtout des tranchées en plus que derrière, si tu dois repasser une autre tranchée et encore une autre, au bout d'un moment, faut bien faire un bon plan. Hein. Je peux vous charrier? Ouais, vas-y. Il est où le design, là? Ben, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup de design, mais comme il y a beaucoup, beaucoup de choses à designer aussi, pour dire un peu tout ce qui nous occupe, c'est que déjà, quand on est arrivé ici, bah, le lieu n'était pas vivable, en fait, donc il faut le rendre... Enfin, c'était juste une prairie, donc... Ça va, prairie, c'est mieux qu'un champ de maïs retourné, oui, depuis des années. Bon, voilà, c'est plus simple. Mais du coup, bah, il a fallu apporter l'eau, apporter l'électricité, il a fallu organiser l'entretien du terrain, on a installé un potager, on a fait les tranchées, la phytoépuration pour l'évacuation d'eau aussi. Comme le terrain est grand et qu'on a raccordé la phytoépuration à la maison, à la cuisine et à la yourte, ça faisait pas mal de travail aussi. Donc il y a tout le travail sur les réseaux. Il y a un hectare, vous m'avez dit à peu près. Ouais. Un hectare, ouais. C'est déjà beaucoup, hein, un hectare. Oui. Ouais. Mais tu vois, dans le design, justement, la phyto, on a eu du mal à trouver un placement optimal. On l'a fait pour qu'elle puisse prendre les eaux de la yourte, les eaux de la cuisine d'été, des douches et faut de la maison. Faut que ce soit en contrebas un peu. Ouais. Faut jouer avec du coup, il faut 2% de pente pour qu'elle prenne tout ça. Et c'est pas toujours évident de trouver ça et que ce soit derrière, on puisse aussi récupérer l'eau de sortie pour l'utiliser, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et puis, oui, il fallait donc faire le design en même temps qu'on construisait. C'est-à-dire, il y avait un rythme aussi. On a eu un rythme assez rapide. On a mis en place les espaces collectifs. L'hiver, c'est souvent le temps. Par contre, on prend du temps pour réfléchir, reconcevoir. Oui. Bah, là, tu vois, c'est de la serre. Bon, c'est pas du tout la période où elle est sexy. Hein. Mais... oui, au bois. Mais en gros, nous, on cultive que des plants dans la serre. Ah oui, bon, cette année, on a planté dans le bac à couchotte, là-bas, quelques tomates. Mais... en gros, il y a 3 étagères de plants, 3 bacs de trempage, il n'y en a que 2, mais il est là-bas, l'autre. Ouais. Et voilà, c'est une serre à plants, mais qui est pensée pour évoluer. Les étagères sont amovibles, ce qui fait qu'en gros, on peut enlever l'étagère du bas, faire des bacs de culture en bas, excellent, pour pouvoir cultiver aussi dedans. Elle nous sert aussi à sécher nos semences pendant l'été. D'accord. Enfin, elle sert à pas mal de trucs, quoi. Et tu me parlais de l'hiver, tu me dis c'est en hiver que tu fais le plus de choses parce que c'est plus calme. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, cet hiver pour que les gens sachent un peu comment vous organisez On ne fait pas le plus de choses. C'est le temps où on se pose pour réfléchir. On fait un travail différent. Ouais. Là, par exemple, cet hiver, ce qui nous a beaucoup occupé, c'est qu'on est rentré justement dans cette SKIC. Du coup, il y a eu des formations. Ça nous a pris pas mal de temps. Pas mal de travail administratif, en fait, pour faire ça. Après, on accompagne... un projet de mairie aussi qui démarrait cet hiver. Ça, c'est votre métier. Oui, en tant que conceptrice et concepteur, on accompagne un projet. Là, c'est un projet de jardin partagé et qu'on accompagne sur la réflexion technique et la mise en œuvre et la formation du coup des gérants du projet, quoi. Et ça, ça vous prend combien de temps à peu près ce genre d'activité annexe, les activités qui vous sortent du terrain? Ça nous prend un peu de temps, c'est pas ce qui nous prend majoritairement de temps, mais ça prend quand même de l'énergie. Surtout qu'on n'est pas non plus rodé et qu'on fait pas ça depuis 20 ans. Donc le début, tu travailles 5 heures pour en donner une, quoi, clairement. Vu qu'on s'adapte à un contexte différent. Mais bon, c'est chouette. Donc ça nous permet de... Ouais, ça nous prend, je dirais, pour l'instant, que 10% de notre temps. Ouais. Parce qu'en fait... Okay. Voilà, ouais. Ce qui nous prend beaucoup de temps, c'est la conception liée au chantier, parce que les chantiers, il faut qu'on soit prêt quand les bénévoles arrivent, il faut qu'il y ait le matériel, il faut qu'on ait prévu le déroulement du chantier, et ça prend... Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait. Est-ce que tu peux donner quelques astuces, quelques idées, des erreurs, des paramètres que vous n'avez pas pris en compte et qui sont très chronophages? Laisse-moi deviner, la logistique pour que les gens, pour nourrir, tout ça, ça doit prendre un temps fou aussi. Ça prend du temps. Après, quand t'es rodé, ça va. Ça, maintenant, c'est plus ce qui nous prend trop de temps. Mais ça prend un peu de temps. C'est surtout l'entretien de tous les espaces, que ce soit propre, ouais, rangé et tout, ça nous prend du temps. Et ouais, pas dangereux, je présume, quand il y a du monde. Oui, alors c'est pas toujours le cas non plus.
Mais... Non, mais disons que c'est sûr que, ben, en fait, à l'année, enfin, l'été, l'été, on est nombreux, mais l'hiver, enfin, le reste de l'année, on n'est que deux à entretenir le lieu, et du coup, c'est vrai que ça demande pas mal de travail. Souvent autour du poêle, alors, vu qu'il chauffe bien la yurte. C'est bien pour méditer, comme le foyer, hein, on n'appelle pas ça pour rien. C'est ça. Après, on a quand même passé beaucoup de nos temps, nos hivers dehors, parce que on est quand même vachement en travaux. Et on a encore vachement de boulot. Pour toute la phase d'installation déjà de où on a créé le confort dans la yourte, ça a pris peut-être un an parce qu'on s'est focalisé plutôt sur les espaces d'accueil. Mmh. Et après, ça a bien pris un an avant qu'on ait l'eau chaude, l'électricité dans la yourte, quoi. Ce qui avait aussi une logique, parce qu'en termes d'autonomie, enfin d'usage des ressources, l'accueil prend plus que nous à l'année. En termes d'eau chaude, par exemple. Le fait de nous prendre le temps de construire un chauffe-eau solaire pour la yourte, etc., on l'a pas fait parce que en fait en consommation c'est une fois et demie voire deux fois ce que nous on consomme à l'année, ce que consomme en accueil, quoi. D'accord. Et là il y a comme un chauffe-eau que vous avez fait. C'est un chauffe-eau solaire, ouais. L'espèce de vaisseau. C'est spatial, le genre de là. Truc que j'aime bien présenter, donc c'était bien ça alors. Et ça vous sert bien, c'est vraiment nickel. C'est nickel. Ils ont pas une douche froide encore. Ah, et ça combien de temps à l'année c'est fonctionnel et parce que je présume en hiver ça doit pas trop chauffer. Ça peut très bien chauffer dans une journée d'hiver, mais le truc c'est que nous on se douche pas dehors l'hiver. C'est plus ça, en fait. Et puis on met hors gel la cuisine parce que au bout d'un moment ça peut. Enfin... Disons que ça fonctionne. Enfin, on l'utilise de mai à septembre octobre, mais bon après quand il fait froid c'est plus pareil. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Mais là on a quand même 400 litres d'eau chaude tout l'été. Ça en termes de quantité d'eau c'est vraiment fait pour accueillir des groupes en été, quoi. Comment vous avez conçu ça alors, ces deux chauffe-eau que vous avez noircis derrière des vitres? Ouais, c'est deux cumulus. Deux cumulus. On a enlevé la première couche de métal, on a enlevé la mousse polyuréthane qui est l'isolant, et on a peint la cuve de stockage de l'eau en noir, en fait, avec une peinture haute température. Et on les a mis dans un caisson isolé. En fait, c'est Ecovert 30 qui ont conçu les plans de ce chauffe-eau solaire. C'est génial, vous nous donnez toutes les références, j'adore oui. ça. Ouais. Les gens comme ça, ils iront voir Ecovert 30. Ecovert 30, merci, ouais. D'ailleurs, on en ouais. profite Bravo pour remercier aussi, les ouais. gens qui créent ouais. des documents comme ça, parce que c'est génial de ouais. partager des informations aussi détaillées et de permettre à... Bah, nous, par exemple, on n'aurait pas pu le concevoir au stade où on en était. Peut-être que maintenant, on pourrait s'essayer sur des trucs. Mais en tout cas, c'est énormément de travail de faire ces documents. Et merci beaucoup. Justement, la chaîne de l'Archipel aussi, vu qu'elle devient un petit peu publique, ouais. un peu vue, n'hésitez pas à donner les références. Et on les salue tous et on les remercie tous parce que c'est grâce à ça que ça avance. Mais c'est aussi grâce à la vulgarisation de tout ça avec l'Archipel que ça avance aussi. Quoi, c'est ouais, chouette. Et ce qui est bien, c'est aussi... quand je vais sur chaque chantier à chaque fois, j'adore avoir les erreurs, avoir les réussites et surtout les noms, les contacts, parce que c'est ce que cherchent les gens. Donc ça, c'est n'hésitez pas. Hein, je ne censure rien là-dessus parce que c'est vraiment le plus important pour que les gens puissent développer aussi leur projet. Et ça chauffe. Alors combien de douches on prend avec ça à peu près par... En fait, alors nous, on a un système de douche qui est assez économe en eau. Ouais. C'est à pression Au seau. Au seau, on remplit son seau. Tu fais ton petit mélange de chaude au froide et après, en fait, tu prends ton petit bec verseur et tu prends... Du coup, c'est 10 litres. Je me douche au godet depuis 5 ans, donc je comprends. Ouais, voilà, du coup, c'est chouette et ça suffit largement au niveau de la chaleur, quoi. On a de l'eau qui peut sortir à 65 degrés, quand même. Donc, ça peut être vraiment très chaud, faut même le diluer un peu, quoi. Et donc, au final, nous, ça nous suffit quand on est une trentaine, voire même un peu plus, pour la douche et la vaisselle. Ouais. Ah ouais. Bah après, on réduit quand même notre consommation. Là, c'est 10 litres d'eau au lieu de... Enfin, c'est une petite dizaine de litres comparé à 10 litres d'eau par minute pour une douche classique. Donc, si tu prends 30 personnes, ça fait 300 litres. Il fait 400 litres. Et après, tu as 100 litres pour la vaisselle et tout le reste. Mais sachant qu'il réchauffe un peu aussi dans la journée... Par contre, si on a 3 jours sans soleil quand on a 30 personnes,
c'est un peu compliqué. Ça arrive pas ça l'été. Si un peu. Ça arrivait l'été dernier en plus. On veut faire un chauffe-eau roquette, tu vois, en complément pour ces moments-là ou pour les intersaisons qui sont un peu pourries. Juste parce que bah, on aime bien partager les choses qui sont intéressantes. La peinture qui a été faite sur les douches, en fait, c'est une peinture à la farine avec de l'ocre. On appelle ça la peinture suédoise peinture à la farine. Norvégienne. Et on l'a fait nous-mêmes avec des ocres. Voilà, et c'est une peinture qui résiste, c'est une peinture pour l'extérieur. C'est quoi la recette ? Qui tient 5 à 10 ans. En gros, il y a de la farine, de l'eau, on fait une espèce de béchamel à l'eau, quoi. Ouais. Et après, on rajoute des ocres. Et c'est quand même, il y a une grosse quantité d'ocre. Et donc, c'est des terres colorées, hein. On en trouve, sur Internet, c'est fabriqué en France, enfin, c'est extrait en France. Et après, on rajoute un peu d'huile de lin. Un peu de savon noir, mais vraiment une toute petite quantité. Pour que ça glisse un peu Alors, le savon noir, je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Je crois que c'est un émulsifiant. Oui, voilà, ça permet, c'est un émulsifiant pour mélanger l'huile et l'eau, quoi. L'huile de lin et l'eau qui est présente dans la peinture. Ça fait quelque chose d'assez épais et voilà. Et ouais, c'est le rendu, il est beau. Hein. Ouais, c'est assez chouette. On en met aussi dans les enduits de finition, du coup, de la maison en terre, là, on a 2% d'ocre dedans. Je voulais pas trop la montrer, mais maintenant que tu as dit ça... Trop tard. Non, mais voilà, je voulais en parler parce que c'est une solution qui est assez peu chère et du coup, qu'on peut faire soi-même, quoi. C'est vraiment... voilà, les ocres, ça coûte pas très cher, la farine non plus, donc ça va, c'est... Ouais, très bon. C'est pratique pour les espaces extérieurs en bois. Léonie, j'en profite. T'es sur le chantier, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer comment on se retrouve ici dans le Tarn-et-Garonne sur un chantier participatif? Oui, eh bien par Facebook. Oui, c'est pas le meilleur vecteur, je sais, mais donc je m'appelle Léonie, j'habite en ville à Montpellier, et j'ai un lien fort avec la nature, mais ben dans Montpellier je le trouve pas. Et j'ai aussi un peu l'idéal de vie collective, mais c'est pareil, dans mon studio à Montpellier je le trouve pas trop non plus. Et je suis dans le bâtiment depuis mon retour de mission humanitaire, ça fait 6 ans. Donc je suis électricienne, et ce qui pose aussi des questions sérieuses hein, sur l'énergie, d'où elle vient, comment on la consomme, à quel prix. Et en fait, bah, en ce moment, j'essaie de me former à plusieurs techniques. Voilà, j'ai tapé sur Facebook « chantier participatif », déjà je voulais une vie collective. Et puis low-tech, je ne connaissais pas forcément le terme, ça veut dire en gros, c'est le contraire de high-tech. C'est basse technologie avec des matériaux simples, accessibles à tous. Remplaçables à la fois en prix et puis en distance, hein, je pense, c'est ça, hein, low-tech. Et on saurait refaire soi-même, en général. Voilà, j'ai cherché pas trop loin de chez moi parce qu'il y a énormément de choses en Bretagne ou en Moselle. Bon, là, ça commence à faire des kilomètres un peu, quoi. et du coup, bon, enduit, j'ai déjà fait peintre et peintre à la chaux, tout ça. Mais il y avait quand même la partie... bois, plancher, découpe. Je voulais m'initier, en fait, toucher un petit peu à tout parce que personne ne m'a appris ça, ni quand j'étais enfant, ni après. J'ai fait des études de philo. Oui. Voilà. et puis, tout ce qui était savoir-faire manuel, ça a toujours été... Enfin, j'entendais que des critiques là-dessus, alors qu'en fait, c'est vital, je trouve, de savoir même dépanner. Enfin, finalement, je m'y plais assez. Maintenant, j'arrive à dépanner mes propres volets roulants à force de tutos YouTube et puis de fréquentation de chantiers participatifs du Repère Café Montpellier... de plein de choses comme ça. Enfin, moi, j'apprends en partageant et puis en voyant faire et en faisant. Tu veux créer un lieu plus tard ou c'est juste avoir le savoir au cas où ? Je suis plutôt une nomade dans l'âme. Donc, ça pose d'autres questions qui est où c'est qu'on peut avoir un point d'ancrage et surtout pouvoir se réfugier, se reposer, parce que le burn-out du nomade, je le connais bien aussi. Il y a un burn-out du nomade ? Ouais, quand t'en fais trop, en fait, t'es trop sur les routes, tu perds trop. Moi, je l'ai eu hein, plusieurs fois. Tu perds tes repères, en fait. Ouais, aussi. Et puis même, il y a un seuil de fatigue, je pense, à peut-être pas dépasser. Enfin, des fois, quand on est justement affaibli, il faut avoir un lieu où on se sent en sécurité, pas tout seul. Puis aussi, où recevoir du courrier, faire ses papiers, c'est important. Enfin, sinon, on a des soucis administratifs. Voilà, donc c'est des vraies questions, ça. Ah ouais, non, mais c'est génial. Mais t'as pas peur maintenant d'avoir le burn-out du citadin à Montpellier? Bah, c'est plus le board-out. Le quoi? Board-out. Alors c'est moins fatigant, mais c'est quand tu t'ennuies à mort, en fait. Ah ouais. Ouais, bah être seul en ville, et puis je fais mes chantiers. C'est pas très stimulant, mais c'est vrai que ça permet de gagner sa vie. Ça offre un confort certain, ouais. Donc voilà, je suis un peu entre les deux. Et je me dis, tous ces savoir-faire aujourd'hui, bah, ils sont
accessible déjà par internet, parce qu'on a internet, c'est quand même pratique. C'est comme ça que j'ai pu vous rencontrer. J'ai appelé Thibaut, j'ai tout de suite eu Thibaut qui m'a expliqué un petit peu, ça m'a fait bonne impression. Et voilà, je voulais voir un petit peu dans quoi je tombais, et puis j'ai pris la route. Donc voilà, j'ai pu prendre la route, j'ai pu aller sur internet, les routes sont sécurisées, ça va, on peut faire ça de nos jours. Ouais. Mais je pense que c'est le moment, parce que peut-être... dans 5 ans, l'essence ne se permettra plus de faire ces trajets, ou pas si facilement. Tu penses qu'on reviendra aux attaques de diligence et tout, si un jour on est dans une période dégradée? À force d'avoir, je me dis, moins on a de transport, moins on a de circulation, plus c'est propice aux attaques aussi, moins il y a de gens pour surveiller. J'aime bien voir ces retours. Ouais, c'est un peu parano ce que je dis, mais non, je travaille dans la sécurité avant. Alors, je vais te rassurer, on est des centaines de milliers de parano maintenant, alors, okay. À penser ce genre de choses. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on commence à être une armée de parano, mais moi, ça me paraît logique et il y a beaucoup de lucidité dans ce que tu dis. Ouais, en tant que nomade, moi, j'aime bien que les routes soient accessibles, circulables, les frontières, pas forcément grandes ouvertes, mais en tout cas, accessibles. Hein. T'as voyagé en dehors de la France aussi. Ouais. Il y a des pays où on se sent plus en sécurité, je présume. Au Danemark, je me suis sentie vraiment à l'aise. J'étais plus en insécurité climatique où il faisait vraiment trop froid pour moi. Ah ouais, carrément. Le soleil se couche très tôt et puis tu gèles, il faut se mettre à l'abri, il faut boire un thé chaud, mais ils sont très chers. Fin. Mais rassure-moi, tu reviens pas là du Danemark parce que, non. À mon avis, le changement d'un coup là. Non. Ouais, et donc tout ce qui est slow travel, ou je sais pas comment ça s'appelle, voyager lent, donc à vélo, en âne, en roulotte, ce que tu veux. Tu l'as fait ça? Non, mais j'apprécie, je connais des gens qui prennent leurs vacances en vélo. Et ça, c'est possible aussi parce que les routes sont sûres puis en bon état aussi. Voilà, on peut circuler en vélo, on peut se restaurer, recharger le téléphone même, tout ça. Avoir accès aux cartes, avoir accès... c'est important aussi. Voilà. C'est encore réalisable pour toi. Oui, puis ça doit le rester. Mon idée, c'est ça aussi, je trouve. Mais c'est marrant parce que donc, tu pars ici, mais tu ne... enfin, c'est pas pour un projet immédiat après. C'est mon projet de vie à moi, d'être de plus en plus autonome. Et je me dis, avec l'âge, on apprend des savoir-faire, on peut après les partager. Par exemple, mettons, j'ai plus rien, je peux toujours offrir mes services en tant qu'électricienne. Là, j'ai eu une ristourne de loyer, par exemple, pour avoir réparé un truc. J'étais très, très fière c'est de génial, moi. Ça. C'est très valorisant. Totalement. Non, mais c'est vrai. Et ça, je ne m'en rendais pas compte avant. Donc, ça dédramatise un peu le monde qui nous entoure à se dire, mais attends, ça marche comme ça, je comprends. Donc, Une autre monnaie d'échange. Ouais, c'est une forme de monnaie d'échange. Ouais, comme les selles, c'est les services d'échange. Bon, je ne suis pas là-dedans, mais dans l'idée, je me dis, c'est pas mal. Et puis, tu trouves ta place aussi. De pouvoir rendre des services. Ouais, je peux apprendre aussi autour de moi, enfin je peux enseigner. Et puis on apprend tous les jours, hein. C'est très vaste le champ de l'électricité, des dépannages. Voilà. Écoute, si tu veux, n'hésite pas à développer, mais en tout cas, je suis content d'avoir ce genre de retour d'expérience. Ça fait plaisir. Je peux faire ma parano féministe? Écoute, je te promets pas que ce sera sur la chaîne. Non, vas-y, oui. Tu peux couper si tu veux. Non, vas-y. En fait, une de mes angoisses aussi, c'est pour ça que je sais bien que les gens et les idées circulent, je trouve. Les gens et les idées, même si on n'est pas tous faits pour ça, je pense. Mais il en faut. Parce que mon angoisse, c'est que si vraiment le pétrole en général est trop cher, qu'on se déplace moins, que ça vaille moins le coup de se déplacer, donc relocaliser, c'est très bien, hein. Mais qu'à force, on s'isole, et que ça, en fait, les groupes humains isolés, ils reprennent des ordres sociaux, et moi, j'ai peur que ce soit en défaveur des femmes, mais je peux me tromper. Tu t'appuies sur quoi, là-dessus, pour dire, justement, à quel endroit t'as vu ça? Des endroits où l'ordre... Moi, j'ai entendu des histoires de maltraitance plutôt sur les enfants, dans des écolieux volontairement isolés. Et quelque part, oui, heureusement qu'il y avait une gendarmerie pas loin, parce qu'à un moment, il faut empêcher aussi des violences, quoi. Enfin, ça arrive. Hein. Pas propre aux écolieux. Hein. Oui, isolés. Parce que j'ai envie de te dire, malheureusement, de l'extrémisme, il y en aura partout. Oui. Et surtout les... Donc là, c'est peut-être pas un bon exemple. C'est un exemple de ce qui peut se passer, mais... C'est vrai que dans tous les écolieux, enfin je fais beaucoup d'écolieux, j'entends pas trop ce genre d'histoire. Non, c'est quand même plutôt des lieux positifs. Mais à force d'isolement, je pense qu'il peut se passer aussi plein de choses. Et, justement, peut-être que l'isolement crée de l'extrémisme aussi. Possible, ouais. Après, moi, d'un côté, je trouve que... Off. Non, pas de souci, Non. C'est bien, moi, je voulais dire un truc par rapport à relocaliser. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout s'isoler, au contraire. Enfin, nous, en arrivant ici, on a fait tout le contraire de s'isoler. On a tout un réseau d'amis, on met des choses en place. Là, on est en train de réfléchir pour créer une école. Et c'est justement, c'est des liens qui sont resserrés. On a des vrais liens avec nos voisins. Mm-hmm. Et c'est, l'idée, c'est quand il n'y aura plus de pétrole, le champ de connaissances des personnes, ça sera, où est-ce qu'on peut aller à vélo ou à pied. Mm-hmm.
Et du coup, il va falloir apprendre à vivre ensemble. Et pour nous, c'est vraiment super important d'apprendre à vivre ensemble. Et du coup, c'est complètement le contraire de l'isolement. Enfin, moi, je le vois vraiment en opposition avec... J'aime bien ce débat. Ouais. Je partage pas mal ça avec en ville. T'as l'isolement urbain, c'est vrai. T'es totalement isolé. Tes voisins, tu les connais pas. Tu leur parles le limite pas. T'as aucune résilience vis-à-vis humaine, quasi. Enfin, peu en fait, très faible par rapport à la campagne. Où t'as un gros problématique. Les gens, ils viennent quoi. Enfin, ici, en tout cas, on s'est vraiment senti dans une bonne entraide, quoi. Il y a des complications, il y a des complications humaines, mais il y en aura partout. Et au contraire, c'est chouette. Moi, je vois, par exemple, tout ce qui vient des vieux écolieux, que ça fait des 68 heures, là, qui ont créé des lieux autonomes en collectif. Eh ben, ils se sont pris une grosse baffe dans la gueule parce qu'on ne savait pas vivre en collectif et on apprend toujours à le faire. Mais de ça a découlé des tonnes d'outils que maintenant on utilise pour apprendre à vivre ensemble. Voilà, la CNV, la sociocratie, l'intelligence collective, tout ça, ça s'est développé grâce à ces gens-là qui se sont dit « Ok, ah, vas-y, on va... » Ouais. Mais qui ont vécu ensemble. Mais qui en ont fait quelque chose de créatif. Ouais, bah clairement. Après, et puis c'est, reste on, pas on apprend d'écolieux. Quoi, vraiment. De vieux écolieux, excuse-moi. Ouais, il en reste peu, mais justement, parce qu'ils n'avaient pas les codes et que c'était dur. Et que du coup, bah, des fois, ça... Précieux facteur humain. Précieux facteur. Pas putain de facteur humain. Ah, tu m'entends dire, ouais. Souvent, l'humain est... on peut penser que c'est les finances, l'isolement, des choses comme ça. Mais parfois, c'est plus ce qui peut, par exemple, même si tu t'installes toute seule, tu peux avoir toutes les peurs du monde et puis t'oublies un facteur, c'est que tu peux avoir des voisins et c'est eux qui vont te prendre la tête, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi, des fois, nos peurs ne sont pas du tout en corrélation avec la réalité. Et ce qu'on imagine n'est pas ce qu'on vit. Vas-y, hein, si tu veux être devant, n'hésite pas. Alors, je pense que j'ai peur de plus pouvoir bouger, en fait. Ça m'embêterait beaucoup. Ça, pour une nomade, ouais, je peux comprendre. Ouais, voilà, avoir un abri quelque part, mais pouvoir bouger, ouais. C'est plutôt mon mode de vie. Mais c'est bien qu'il y ait des endroits comme ça. La preuve, je viens et j'adhère totalement et je soutiens. Ouais. Bah, Léonie, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Merci. Emmanuel Thibault. On va parler un peu de phytoépuration, parce que vous l'avez fait vous-même ? Ouais. Oui. Excellent. Alors, je sais que ça le vent en poupe, les phytos. Est-ce que vous êtes passé par Aquatiris ? Comment ça fonctionne, une phyto ? Alors, une phyto, en fait, c'est des roseaux. Enfin, là, c'est une phyto à filtre planté de roseaux. C'est le roseau commun. En gros, il y a trois couches. Il y a du sable, après des petits graviers, et après des gros graviers pour le drainage. Et en gros, les racines des roseaux... vont fixer des bactéries aérobiques qui poussent avec l'oxygène et qui vont dégrader ce qu'on envoie dans la phyto. Et comment nous on l'a fait ? On a fait donc des tranchées de 2% pour arriver jusqu'à dans la phyto avec du PVC, quoi, c'est des tuyaux en plastoc. Mais vous aviez des bases ? Comment vous avez, comment on conçoit ? On a lu, on s'est renseigné. Et après, donc voilà, et après t'as deux bacs, là, elles fonctionnent en alternance en fait. D'ailleurs, on oublie souvent de changer d'ouvrir les vannes. C'est avec une vanne guillotine que ça s'ouvre et que ça bouge. Et en gros, bah, t'as un géotextile, une bâche EPDM, et normalement, faut remettre un géotextile au-dessus. Enfin, c'est un copain qui fait des phytos qui nous a dit « Ah, ça aurait été mieux ». Mais même si les modèles déposés le font pas ou plein de gens le font pas, ouais. Parce que les roseaux ils traversent vraiment fortement les bâches. Les bâches et tout, ouais. Ah ouais. Et ça peut traverser la bâche EPDM sans problème. C'est si puissant que ça un roseau. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ça vous fait de la matière, ça, mine de rien, en fin bah, de saison. Ouais, chaque année on les coupe. Et puis ça nous, en fait, nous on a un bac à graisse. Le bac à graisse c'est un pot de fleurs. Ah génial. Dans lequel on met de la matière sèche, du coup, qu'on coupe. Ouais. De la paille et du coup des fois du roseau quoi. Quand on coupe les roseaux, on les coupe, on les met dedans et ouais. Ça filtre la graisse et après lui on le met au compost quoi, le compost. Génial, ah bah c'est bien de le voir comme ça. Et voilà, et du coup il y a deux bacs là, faudrait qu'on en fait c'est tout bête, hein, c'est juste deux bacs avec différentes granulométries dedans. Enfin voilà, nous après sur la fin, enfin en fait on a commencé par creuser les trous. Donc on a mis le géotextile, la bâche et tout ça et le contenu. Et après, on a fait un pourtour en chaux pour décorer et puis pour préserver les bordures de... Les bâches, quoi. Les bacs, quoi.
Mais en fait, c'est très simple, hein. Ça demande pas du tout de... Super simple à faire. Enfin, c'est un des trucs les plus simples. Après, c'était... Ça nous a coûté 1 700 € en comptant une erreur de terrassement qui nous a coûté presque 700 balles. Ah oui, donc presque à 1000. Ouais, 1002, je pense. On aurait pu... Sachant qu'on a quand même, on compte les tranchées et le sable, et on a quand même beaucoup de tranchées. On a 30 mètres pour aller vers la yourte, plus une quinzaine de mètres pour là, plus 10 mètres pour là. J'ai vu une pelleteuse, vous la louez ou vous l'avez achetée pour le chantier? On l'a achetée, ouais. Ah ouais, c'est on mieux l'a achetée pour la revendre après, ouais. Et bien vu. Ouais. Excellent. Mais tu sais quoi, j'en profite. Vous avez encore autre chose à dire ou Moi, ça va. J'en profite, hein, on est juste devant, vu que tu voulais en parler. On va parler de quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est que qui dit chantier, dit bordel. Tu m'as dit, ce serait quand même bien qu'on en parle. Eh bien, écoute, écoutez, je suis tout oui. Par quoi commencer? Ouais, quand on est arrivé ici, on avait juste la yourte. Et c'était un champ, quoi. Donc, déjà, on arrive, il faut stocker le matériel, les outils. Donc, on avait mis les outils dans la yourte. Ça prenait la moitié de la place, d'ailleurs. Mais par contre, tout ce qui est matériaux et tout, il faut le stocker, il faut le déplacer, il faut le mettre au bon endroit pour pouvoir circuler, pour que ça ne nous gêne pas. Et il faut l'organiser. Et vu qu'on l'utilise, on déplace beaucoup de matériaux. Donc ça fait partie de la conception, de place, en fait. Ouais. Puis la récup, on le fait toujours, il faut le faire pas mal en amont. Enfin, nous, notre expérience, il faut le faire beaucoup en amont pour avoir ce qu'on a besoin le jour J. Et du coup, on est obligé de stocker pas mal, quoi. Et là, c'est une des zones de stockage. On ira en voir une autre tout à l'heure, si tu veux. Mais tu vois, les filets, c'est des filets à grêle. On les récupère pour faire des trames pour l'enduit. C'est des filets, vu qu'ici il y a pas mal de fruitiers et qui protègent de la grêle. Chaque année, au bord des champs, on trouve plein, donc on les a récupérés. Et, excuse-moi, juste parce que je rebondis sur ce que disait Manuel. Vous verrez, je pars dans tous les sens, mais je refais le film dans ma tête. Tu m'as dit, il y a quand même de la conception à prévoir. Vous aviez prévu qu'il y ait autant de place et que ça prenne autant de place les matériaux? Assez rapidement, oui. Quand on a commencé, déjà, quand on se fait livrer le bois, il y avait le bois, la paille. Pour la maison, on a utilisé à peu près 1000 bottes de paille. Donc ça fait des grands tas de paille. Et oui, et puis aussi, c'est sûr que ce que je voulais dire en fait au début, c'est que déjà on n'avait pas d'espace couvert et pour protéger les... il y a certaines choses qu'il faut protéger des intempéries. Du coup, on avait des palettes et des bâches et ça c'était quand même assez source de stress. Donc si je peux donner un conseil, c'est effectivement d'avoir si on arrive sur un terrain nu quand même, c'est déjà de prévoir un espace couvert pour stocker. Alors après il y a des matériaux qui sont trop volumineux pour être stockés à l'abri, mais La laine de mouton, par exemple, tu vois, on en a beaucoup. C'est la déchette du coin nous a appelé parce qu'ils nous connaissent un peu, ils savent ce qu'on fait. Ouais. Ils nous ont appelé parce qu'ils avaient un agri, qui voulait leur donner, balancer de la laine de mouton à la déchette. Ils nous ont dit, mais vous la voulez pas, vous? Et du coup, on a récupéré chaque année, ils nous livrent 300 kilos de laine. Un bel isolant. Ouais, et du coup, on l'utilisera comme isolant pour d'autres bâtiments que la maison parce que ça, on avait déjà prévu en paille et voilà. On dit que les déchets des uns font le bonheur des autres. Comment on en arrive à acheter de la laine? J'ai du mal à... Le cours de la laine actuelle, qu'il n'arrive pas à revendre à une carderie qui pouvait la carder avant, mais en fait, ils la reprennent trop bas pour la laver et tout. Et du coup, le cours de la laine fait que le gars n'arrive même pas à la vendre. Et le prix du transport, en plus. Le prix du transport, pour la transporter. Parce que lui, ça lui coûte trop cher de se déplacer pour aller déposer sa laine là où il pourrait la vendre. Et puis, vu le prix de rachat... C'est plus dramatique que ce que je pensais. Je pensais que c'était, la laine, je ne sais pas quoi en faire, je m'en débarrasse. Non, là, j'en ai trop parce qu'on me le rachète. Ouais. Après, on a des copains qui ont 3 moutons qui nous l'apportent, mais c'est des volumes plus petits. Lui, à chaque fois, chaque année, il nous ramène plein de sacs, quoi. Punaise. Puis vu qu'on a de plus en plus de moutons, la mauvaise blague. Mais écoute, c'est bien de filmer ça et d'en parler, parce que c'est assez important. Et je ne vous ai pas demandé, vous avez combien en stockage d'eau? Vous devez stocker quand même avec les toits que vous avez, non? En fait, pour le moment, non. Justement, là, la maison, elle a une capacité à peu près de stockage qui ferait 80 mètres cubes de stockage. Mais on a prévu de faire une cuve de 30 mètres cubes. Ouais, qui est sur la surface de captation, quoi, par rapport à l'année à peu près. Puis la pluviométrie, ouais. Ouais, mais en fait, on a prévu de mettre 30 mètres cubes, une grosse cuve qu'on fabrique à l'arrière de la maison,
Là, on a prévu de récupérer une vingtaine de mètres cubes, et là aussi. Mais en gros, on n'a pas encore mis en place tout ça. C'est du boulot à faire. On va acheter une grosse quantité de cuves de 1000 litres, là, en plastique. On a une source pour les avoir à 20 balles, donc... Et c'est de l'huile végétale. Ah, j'allais vous dire, ouais, faites juste gaffe à ce que, c'était comme utilisation avant, c'est de l'huile. C'est de l'huile de tournesol, un truc comme ça, quoi, donc c'est cool. On donne pas le plan, parce que là, avec le nombre de personnes on va plus l'avoir, là. N'allez pas vous faucher l'herbe sous le pied. J'ai une petite question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre quand même plus de temps, au final, d'avoir à former les gens, à organiser tout ça pour avoir du monde? Est-ce que si, dès le début, vous étiez mis à deux, vous ne seriez pas allé plus vite? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Bah, sur ce type de construction, non, parce que c'est, enfin, la terre, la paille, les matériaux bruts, en fait, qui sont pas fabriqués de manière industrielle, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre et de savoir-faire. Et non, une maison comme ça, il y a besoin de beaucoup de bras, beaucoup de mains. Ça se fait à plusieurs, quoi. Tu remplaces l'esclave énergétique que tu achètes dans les matériaux construits par le travail physique de personnes. Et du coup, là, t'en es conscient, tu le vois, quoi, le travail physique que ça demande quand tu fais de la maçonnerie avec de la terre. Pour les gens qui viennent, excuse-moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand je dis esclave énergétique, c'est parce que, en fait, les gens, ils n'ont pas forcément l'impression que quand ils achètent une plaque d'OSB ou du placo ou je ne sais quoi, que derrière, en fait, t'as toute une industrie qui, derrière cette industrie, il y a une autre industrie. Et quand tu regardes qui, au final, fait cette industrie-là, c'est pas non plus glorieux, quoi. Mais du coup, les personnes qui travaillent pour fabriquer ces matériaux en général sont exploitées. Ça produit beaucoup de pollution. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a différents problèmes liés à ça, quoi. Après, on est aussi dans une dynamique où on a envie de réapprendre à vivre ensemble et à faire ensemble. Nous, Manu, elle dit si bien. Vas-y, dis-le. De quoi? Faire de tout cœur et de toute main. Voilà, c'est excellent. Ouais. Faire de tout cœur et de toute main. C'est vrai, quoi. Ouais. Et moi, je vois ma grand-mère, elle avait fait un article. Enfin, des gens lui avaient demandé comment ça se passait la vie avant. Et elle racontait comment ils faisaient les foins avant. Et ils se réunissaient entre voisins, ça tournait de ferme. Alors, il y avait des problématiques, mais quand il n'y a pas de pétrole, il y a du fer ensemble, quoi. Et si on fait un peu de fer ensemble avant qu'il y ait plus... que le pétrole soit complexe d'accès. C'est mieux, on sera mieux préparé. C'était souvent ça. Moi, je vois les fêtes des vins, fêtes des blés. C'était les gens, d'abord, ils travaillaient. C'était physique. Puis le soir ou fin de semaine, on se réunit, on fait une petite fête pour fêter ça. Et je trouve que ça remet, du social dans ce... Ouais, c'est chouette. Y a cet aspect-là, le fait qu'on ait besoin de réapprendre, en fait, à travailler ensemble. Parce que... Enfin, pour moi, voilà, il n'y a pas d'autonomie sans collectif et sans. On ne pourra pas survivre tout seul dans notre coin, ça c'est sûr. Et puis, mais on l'a perdu, donc il faut le réapprendre. Et puis, y a aussi la partie. Moi, ce qui me plaît dans ça, c'est aussi donner le pouvoir, redonner leur pouvoir aux gens. Ils ont ça, ils peuvent le faire chez eux. C'est prendre conscience qu'en fait, on peut tout apprendre, qu'on peut faire des choses et qu'on a le pouvoir, on peut reprendre le pouvoir qu'on n'a pas l'impression d'avoir dans un système. Je le comprends. Et surtout, je suis sûr, il y en a, ils doivent arriver en mode je vais essayer. Et puis à la fin, c'est génial, je veux faire. De ouf. Il y a des gens qui repartent reboostés du fait que en fait, c'est possible de le faire, quoi. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé, il faut se le dire clairement, en conception, en design, en permaculture, on avait des connaissances, mais en maçonnerie, en enduitaire, en charpente, en élec, en plomberie, en terrassement, on n'y connaissait quasi que dalle. Et on a fait, quoi. Ça marche, faut y aller. Et on n'avait pas internet les 4 premiers mois. Donc, on n'avait ni internet ni téléphone les 4 premiers mois. Donc, on a appris vraiment en faisant, en demandant aux voisins. Des fois en arrêtant le. je me rappelle un jour. Un employé d'Engie. D'Engie, parce qu'on voulait poser une question sur la taille de la gaine à enterrer. On était avec la remorque, on allait au magasin, mais maintenant les magasins de bricolage, ils ne conseillent pas toujours très bien. Et. On a arrêté le gars d'Enedis pour lui dire « Écoute, on a ça, est-ce que c'est bien ça ?»« Ouais, ok, super, on y va. »
C'est rigolo. Mais c'est vrai, j'ai remarqué pour les conseils, moi qui connais, maintenant ça va un chouïa mieux, qui connaissait rien en bricolage, quand tu arrives et que tu demandes à quelqu'un qui te dit bah, « je suis là depuis 2 jours, je sais pas », ça t'aide pas trop à avancer dans ta journée, surtout que je pense que vous faites pareil, c'est tu te dis « allez, une demi-journée, je le consacre à ça », et si t'as pas ton info, donc que tu peux pas acheter, tu repères une demi-journée. Quoi. Ouais, c'est pas facile, ouais. C'est sûr, tu rames, et puis on a fait plein d'erreurs, on a appris sur plein de trucs, tu vois, la charpente de ces bâtiments, ouais, elle laisse à désirer, hein. Plus que laisse à désirer. Après, ça nous a coûté pas cher, parce qu'on a fait beaucoup avec de la récup, toutes les tôles sont du seconde main, le bois c'est de la scierie d'à côté, les palettes c'est le sol, le sol il est en palette. On a fait avec peu, mais bon, ça laisse quand même à désirer. Ouais, on a dû faire vite aussi, et faire vite, on a moins le temps de réfléchir, et au final on perd souvent quand même un peu plus de temps. Et au final l'argent, parce qu'on refait. Et voilà. Après, on avait des objectifs qu'on s'était donné, hein. C'est clairement ça. Hein. Mais voilà. C'est ces retours d'expérience que j'adore aller chercher sur le terrain. Mais oui, parce qu'il n'y a qu'en faisant qu'on voit toutes ces choses qui nous arrivent à la figure, hein, on peut le dire direct, et puis après, il faut gérer. C'est génial. Vas-y. Non, justement, pour en revenir à la permaculture, nous, on était formés en conception en permaculture, mais... quand on s'est confronté avec la réalité du terrain, on arrive sur un terrain et il faut bien qu'on vive en fait, il faut qu'on ait un minimum de confort, etc., qu'on mette des choses en place. Et on a déjà concevoir ces choses temporaires, ça prend du temps, les mettre en œuvre, ça prend du temps, et on n'a pas toujours le temps de réfléchir à tout et surtout de commencer par les choses par lesquelles on aimerait commencer, quoi. C'est la logistique qui prend le plus de temps au final. Ouais, clairement. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu l'ensemble du terrain, on va voir le chantier sur lequel vous êtes à plusieurs. Qui nous présente ? Emmanuel, Thibault, vous deux ? Alors, on est sur une surface de combien au final que vous voulez faire ? Alors, c'est une bonne question. on va être sur du plus de 100 mètres carrés, quoi. Plus de 100 mètres carrés ? Ouais. En fait, on a trois hexagones qui font 25 mètres carrés, qui sont reliés entre eux et qui forment une genre de banane côté sud. Ouais, c'est ça, vers le sud, quoi. Sauf que là, on va faire une véranda qui est pas... tu vois, on a un voisin qui nous a donné des chaînes pour qu'on a coupé chez lui, hein, et voilà, on a commencé la structure d'une véranda. Au-dessus de l'enduit, là, on voit pas, mais on a fait des tests d'enduit de finition rapide et on va faire un bardage, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on voit des morceaux de bois. Parce que c'est la façade la plus exposée, là on est plein ouest, on a les vents dominants. En parlant de vent, désolé si ça souffle un peu pour les abonnés. Ah oui. Il risque d'avoir un petit peu de souffle. Excuse-moi. Donc le vent il vient de... De l'ouest, là-bas. De l'ouest. On a les vents d'ouest majoritairement, et après le vent d'automne de temps en temps à l'est. Vous avez un peu d'automne aussi ici. Ouais. Vent chaud, quoi. Alors est-ce que tu peux nous parler déjà, ça fait par rapport à ce qu'on voit, il y a eu combien de semaines ou de mois de travail déjà. Ouais. Bonne question. 8 x 3. Ok, vas-y, 8 facile. 8 x 3 semaines, enfin quasiment à 8 x 3 semaines. Là, c'est la dernière semaine du 8e chantier sur la maison. Ouais. Du coup, ça fait... 24. Oh, merci. 24 semaines. Voilà. Là, je suis très mauvais en maths aussi. J'étais en train de me faire mon calcul avec les doigts. On a dû reprendre les maths en faisant de la charpente, hein, parce qu'il y a eu besoin un peu. Pour les notions de géométrie aussi. Ouais, c'est ça, Pythagore, Thalès, tout ça. Ouais. Puis là, on est sur des hexagones qui font tous 3,18 m. Du coup, ça fait quasiment le nombre d'or, en fait. Et c'est que des triangles équilatéraux, un hexagone, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que voilà une réelle utilité des maths. Moi, quand j'étais petit, je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de combien on a de pièces de ceci ? Là, vous en êtes resservi. Ouais, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a tout oublié, qu'il faut tout recommencer. en fait, je pense que la manière d'apprendre n'est pas forcément la plus... ça dépend des gens, quoi. Mais pour moi, ça correspondait pas trop. Amener les gosses faire un chantier, ils vont vraiment comprendre à quoi ça sert. Je pense que clairement, quand tu vois à quoi ça sert, tu as plus d'usage. Et puis quand tu l'utilises aussi. Ouais, c'est ça. Les connaissances non utilisées, elles s'oublient, en fait. Comme l'anglais, comme tout. Mais ça peut revenir vite. Donc là, sur la technique, ça s'appelle la cellule sous tension et le flexagone. Cellule sous tension, c'est parce que c'est des bottes de paille qui sont comprimées. Déjà, des bottes de paille sur champ comprimées. D'accord.
qui sont entre deux monts, comprimés entre deux montants et recomprimés par-dessus par des lithos. Et après, on vient mettre l'enduit de corps de chaque côté et puis après l'enduit de finition. Les fondations, c'est des fondations en pneus. C'est des pneus remplis de gravier avec... Là, on n'a pas encore fermé. Là, on voit un peu ce que ça peut donner sous les murs. Enfin, ça, c'est une version un peu réduite, mais... Ouais, du coup, il y a les pneus qu'on a emballés dans un géotextile, mais à l'intérieur du gravier tassé. Pourquoi, excuse-moi, le géotextile? Pour pas que ça parte après? Pour maintenir bien les graviers, pour éviter que le pneu se dégrade, parce que ce qui dégrade le pneu, c'est le soleil. Et du coup, ça le maintient beaucoup plus longtemps, quoi. Parce que si, faut pas, vu que c'est des fondations, c'est que ça, les fondations. Hein. Ah ouais. Il n'y a rien d'autre, hein, qui porte toute la maison. Un pneu, ça prend 72 tonnes de charge. Seulement minimum. En fait, ils ont fait une étude avec 72 tonnes. Et mais rempli un pneu. Oui, un rempli. Pneu rempli de gravier, mais pas de béton. Il n'y a rien en béton. Il n'y a que du gravier. C'est juste un pneu, du gravier, deux galettes de bois pour pouvoir passer sur l'hélice basse et répartir la charge des murs, quoi, sur l'ensemble du pneu. En fait, on fait deux galettes croisées. Et voilà. Et après, on démarre nos murs et voilà. Ok. Et alors, tu disais donc il y avait après un enduit de finition. C'est pas grave que ça craquelle comme ça. C'est normal. Vas-y. Alors ça, c'est l'enduit de corps en fait. Donc c'est l'enduit qu'on vient poser à la main en fait sur la paille. Ouais. Et en fait, les fissures, elles sont dues à la quantité d'argile dans l'enduit. Et l'argile en séchant se rétracte et crée ces fissures. Et en fait, plus il y a d'argile dans le mélange, et plus le mur sera dur et solide. D'accord. Voilà, donc on essaye de... Si ça craquelle, c'est bon signe, ça veut dire qu'on a un enduit qui va être très solide. Et du coup, après, on vient gratter les fissures et reboucher. Là, on voit donc un mur qui a été rebouché. Là, il vient d'être rebouché, celui-là de mur. Ouais. Avant de poser, justement... C'est un peu accidenté partout chez nous, là. Mais tu vois, là, tu vois bien les fissures rebouchées et là tu vois bien les fissures ouvertes. Là c'est pas finition, c'est entre deux. C'est voilà, l'enduit de rebouchage. Ça, c'est ouais. Avant, rebouchage. On est sur la préparation du mur avant la pose de l'enduit de finition. D'accord. Et après ça bouge plus une fois que ça a séché, il y aura plus de. Non. Normalement. Ouais. Non, ça bouge plus. Ouais. Et regarde, tu peux les voir là, les fissures qui sont grattées avant l'enduit de rebouchage. Et ça fait un beau pattern dendritique. Excuse-moi, Emmanuel, t'étais en train, on t'a coupé. Non, ça. Non, oui, c'est un enduit, c'est très très dur. Hein. Ouais, tu peux toucher, hein, c'est vraiment. Non, mais j'ai déjà vu ce genre de choses, donc ouais, j'ai vraiment notion. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que vous coulez directement le bois des. Je ne sais plus comment on appelle ça. Vous coulez directement le bois pour tenir la fenêtre dedans? Alors en fait, c'est... pas vraiment. Mais on fabrique nous-mêmes les cadres de fenêtres, des fenêtres fixes en fait. Tout ce qui est vitre fixe. C'est nous qui les fabriquons, ce qui diminue vachement le coût en fait. On achète juste la vitre, voire même on pourrait récupérer la vitre. Et ça coûte pas grand chose en fait. On fait un cadre en bois. Ouais. Bah, tu veux l'expliquer peut-être? Oui, bah, en fait l'idée c'est vraiment d'utiliser la vitre en fabriquant nous-mêmes le cadre et ensuite en prenant cette vitre et ce cadre dans l'enduit. Et c'est l'enduit qui fait l'étanchéité, en fait. Il n'y a pas de pont thermique, il n'y a rien qui passe. Non. En fait, ça fait l'étanchéité à l'air avec l'enduit, ouais. Excellent. Et c'est juste des cavaliers d'électricité pour fixer la vitre contre une petite bande de liège qu'on fixe contre le bois. Ouais. Et après, c'est l'enduit qui prend. Ah, vous, c'est du liège que vous utilisez, c'est pas ouais, bête c'est pour du petit liège en 4 mm, là. Excellent. Ouais. Et puis, au niveau d'économie, c'est 50 euros du mètre carré de vitrage. Du coup, ça n'a rien à voir, le coût des vitrages, on a dû économiser. Sûrement 300 euros, une petite fenêtre comme ça, je dirais 300. Ah ouais, ça coûte une blinde. On avait fait faire un devis. C'est surtout vu qu'il n'y a pas d'ouvrant. En fait, il y a aussi ça, c'est qu'on a mis un maximum de vitrages fixes et des tout petits ouvrants pas chers pour l'aération, en fait. Et ça nous permet d'économiser énormément en tout ce qui est fenêtre. On est passé d'un devis à 12 000 euros à un frais réel de 2 000, quoi. On va parler un peu argent, là, ça m'intéresse. Vous avez une enveloppe de combien pour les matériaux et la maison? Alors, les matériaux et la maison, je ne pourrais pas distinguer le tout. En gros, pour les échafaudages, la maison... En comptant la nourriture des bénévoles, les professionnels qu'on a rémunérés pour nous accompagner,
en comptant tout, en comptant les échafaudages et pas mal de matos aussi qu'on a dans l'atelier. J'ai acheté beaucoup d'outils. Je pensais pas autant, mais oui, il faut le prendre aussi. On en a pour 50, pour le moment, on est à 40 000 euros. Pour ce qu'on voit là. Ouais. C'est pas mal. En comptant aussi les panneaux solaires qu'on a achetés et toute l'installation solaire. En plus. Ouais. Et en gros, on souhaite finir sur du 65 000 euros fini et autonome. Donc moins de 100 000, presque tout compris. Mais en gros, on est sur du 500 euros le mètre carré autonome. Je parle le terrain, c'était 30 000 de mémoire, vous m'avez dit. Ah oui, le terrain. Plus là. Oui. Ouais. Pour presque moins de 100 000. Ouais, un peu plus quand même, parce qu'on, enfin, au final, on ne sait pas encore tant qu'on n'a pas fini la maison. C'est vrai qu'on a du mal à savoir, parce qu'il y a aussi les installations collectives. Donc, celle-là, pour le coup, ça n'a pas coûté très cher, mais bon, tous les travaux, le terrassement, le sable, les cailloux, en fait, ça a l'air de rien, mais des fois, au final, ça fait quand même un coup. Mais on en a quand même pour, en tout, au moins 100 000 euros pour le projet, ça c'est sûr. En comptant la Peltos quand même, qui coûte quand même 15 000. Hein. Que vous revendrez après Ouais, par contre, on les revend, les échafaudages aussi, voilà, tout ça, on revend, quoi. Et ça, donc, en fin, c'est super sympa. Hein. Ouais, c'est chouette. Est-ce que c'est pour représenter le soleil ou ça a un intérêt de gratter ou... Lever du soleil, enfin, plus ou moins, ça, là, on est plutôt face sud, quoi. D'accord. C'est Manu qui a fait le dessin et Mathieu qui... Ouais, c'est moi, j'ai imaginé le dessin... Avec la compagne de Mathieu de Mithy. Ça, on va aller voir après Mathieu. Vous êtes quand même, vous partez pas quand même dans le grand vide abyssal. Vous avez quand même des professionnels qui viennent vous, je ne veux pas dire donner un coup de main, vous aider à vous lancer sur certaines parties. En fait, aider à démarrer des trucs. Venez, comme ça, on va montrer aux gens. Parce que là, franchement, excuse-moi. Ouais, sur quoi alors vous avez vraiment eu besoin de vous faire aider par des professionnels? Bah, en fait, jusqu'au début de la maison, on ne l'avait pas fait. Donc, tous les chantiers d'avant, chauffe-eau solaire et tout ça, on a fait nous. Vas-y, je te suis. Hein. Mais vu la chaleur qu'il fait, les gens de la maison, le démarrage de la maison, on avait pris un professionnel pour nous accompagner. Mais bon, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur la maison, nous, en fait. Lui, il est parti, il y avait 4 chevrons et aucun mur qui était en haut, quoi, quasiment. Ah ouais, à ce point-là. Et aucun enduit de corps et aucune menuiserie. Il y avait une menuiserie, tu vois. Donc, on a eu beaucoup à faire. Et puis là, il y a Mathieu Salle qui vient pour nous accompagner sur les enduits de finition, pour reprendre la fin, pour nous aider à finir proprement, quoi. Okay. Voilà. Et nous donner une bonne lancée aussi, parce que du coup... Bah lui, à la fin de cette semaine-là, il part et après, bah, nous, on doit finir. Donc, on a eu de l'aide pour démarrer la maison, commencer à monter la structure. On a eu de l'aide pour la couverture du toit, donc c'est-à-dire la pose des tuiles. Ouais, on a eu un copain pour la couverture et la zingrie aussi. Je remontrerai une image drone. Ouais. C'est une méthode spéciale, les tuiles. Ah, c'est ouf. C'est... Il a fait quelques calculs pour pouvoir les poser et ne pas les découper. Donc, en éventail comme ça. On le recommande, Jérémy Barbe, si vous n'êtes pas loin du coin, Charpente d'Antan. Tarn-et-Garonne, voilà. Lui, il travaille super bien. Et en fait, la complexité des hexagones, c'est le toit, tu vois. Et du coup, les tuiles, elles partent comme ça. Et hop, elles reviennent droit sur la face à l'arrière. Et là, sur celui-là, elles font carrément un virage. Il n'y a qu'avec de la tuile canal que tu pouvais faire ça, quoi. Et voilà, heureusement qu'il était là. C'est quand même assez... c'est bien de le dire aux gens. C'est quand même beaucoup plus complexe de partir sur ce genre de forme géométrique. Ah ouais, je pense que oui. Franchement, ouais. Pourquoi cette forme, excuse-moi? Pourquoi cette forme n'est pas carrée L'hexagonale? Ouais. Parce que c'est une forme que tu retrouves beaucoup dans la nature. Par exemple, une abeille, quand elle fait son alvéole, à la base, c'est rond. Et quand c'est stable, ça devient hexagonal. C'est une forme qui contrevente énormément. Et par exemple, aussi pour la répartition du vent et tout, tu as le vent qui arrive et hop, il va repartir sur une face, puis sur une face, puis sur une autre. Mais dans cette logique, pourquoi pas ronde alors? Parce qu'en fait, c'est hexagonal parce que la maison, elle est basée... Alors, tu me reprendras, Mathieu, si jamais je me trompe. Vas-y. Mais la maison, elle est basée sur l'idée que le contreventement, il est assuré par la compression des bottes de paille dans les montants de la maison. Donc, les bottes de paille poussent la jonction des murs les uns contre les autres et ça contrevente la maison en fait. Et du coup le triangle, les poteaux entre chaque mur sont des triangles, donc sont constitués de 3 planches de 20 par 3. 26 par 3. Il y a le chef, hein, dis plus de bêtises. et du coup ça permet cette compression, cette répartition des charges de compression sur l'ensemble de la maison. Donc,
Pour moi, c'est la façon dont je l'ai compris, c'est ça. Parce que dans cette logique, si on le fait rond, c'est aussi une structure, d'après ce que j'ai compris, déjà, il n'y a pas de coin. Et c'est difficile à... Enfin, ça ne tombe pas un rond, c'est vachement... C'est très stable, ouais. C'est beaucoup plus solide, ouais. Beaucoup plus, en plus, que l'hexagone qu'on a ici. Ouais. C'est... Sauf qu'avec la technique, c'est un peu plus compliqué à faire. Bon, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et comment tu en arrives à être sur des chantiers comme ça, accompagner les gens? Ben en fait, moi, je suis le formateur du chantier. Mon travail, c'est vraiment de transmettre tout mon savoir. Donc, ça va partir des fondations, en passant par les murs, tout ce qui est charpente, je précise simple. Je ne me lance pas dans les charpentes trop complexes. Ensuite, tout le travail des enduits. Alors bien sûr, la paille hein, au début hein, pour former le mur, les enduits de corps, les premiers, et ensuite les enduits de finition, ce qu'on est en train de faire là maintenant dehors. Mathieu, petite question, c'est quoi les personnes? Alors tu vas me dire qu'il y a sûrement beaucoup de monde, mais est-ce que tu vois les gens de plus en plus qui viennent te voir parce que c'est devenu hors de prix de passer par des professionnels et il faut faire soi-même? C'est quoi les personnes qui viennent te voir? La maison en paille, on y arrive par différents chemins. Non, j'ai vraiment tout type de personnes. D'accord. Et même chez les bénévoles, tout type de public. D'accord. J'y ai, ouais, vraiment. Ça peut être de l'avocat ou de l'avocate à l'infirmière ou à l'infirmier. Ouais. Ah, c'est dingue. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience générale et c'est pas juste dû... J'ai souvent des architectes qui veulent se former parce qu'à l'école, souvent, ils ne connaissent pas du tout tous ces matériaux, pas du tout. Et des ingés aussi, non? Nous, on a beaucoup d'archers et d'ingés, généralement. C'est pas abordé, ça, encore? Peut-être maintenant, si, dans les écoles? Certaines écoles l'abordent un tout petit peu, mais très très peu. Ça va être quelque chose de quelques heures. Donc il n'y a pas grand chose. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais d'après les sons de cloche que j'ai eus, ouais, c'était ça. Ouais. J'espère que ça va. Ça, c'est un truc à changer. C'est vraiment dommage parce qu'on est sur des matériaux naturels avec une performance, mais hors norme. C'est fantastique ce qu'on arrive à faire. Quand tu prends une maison comme on peut les faire, les maisons en paille comme celle-là, tu vas être sur des fondations en pneus. Donc, c'est pas un super matériau, le pneu, mais c'est génial pour ce que... Ben, on le recycle, mais c'est génial pour ce qu'on en fait. Ensuite, tous les murs en paille, c'est super isolant. Les enduits de corps, tu as énormément de masse thermique après à l'intérieur de la maison. Donc, tu vas pouvoir te passer de chauffage tout simplement dans ta baraque. Même là, hein, il fait vachement bon. Oui, et attends, là, tu n'as aucune isolation, aucune étanchéité à l'air hein, dans cette maison. Hein. Tu n'as rien du tout, il n'y a rien qui est fini. Donc, mais une fois que tout est terminé, mais tu n'as même plus besoin de te chauffer. En fait, si ta maison est bien orientée, si tu as bien fait tous tes calculs, en plein hiver, ton soleil va rentrer dans ta baraque, va chauffer tes enduits. Et puis, à la fin de la journée, tes enduits, une fois qu'ils seront bien chargés, ils vont tout te restituer. Et c'est une maison super sèche. C'est-à-dire que les enduits de corps, ils vont absorber toute l'humidité que tu peux avoir dans la maison. Et en fait, des maisons comme ça, à 18 degrés, tu te trouves aussi bien que dans des maisons en ciment, mais à 22, 23 degrés. Donc, c'est pas du tout pareil. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des défauts? Parce que là, t'écoutais, il n'y a que des qualités. Est-ce qu'il y a des problèmes constatés? C'est difficile de... C'est trop beau aussi. Non, c'est difficile de construire sans équipe. Ouais, c'est vraiment... Tout seul, ça se fait, mais t'y passes du temps. T'y passes beaucoup, beaucoup de temps. La fameuse main-d'œuvre, vu que c'est pas quelque chose d'industriel où tout s'imbrique directement et qu'il faut tout faire soi-même. Il y a certaines parties qu'on pourrait mécaniser, mais d'autres non. Non, non. D'accord, c'est fou. Et on est par rapport... Enfin, moi, j'ai vraiment pas de notion en construction. Ça doit réduire aussi les coûts au mètre carré, je pense. Oui, alors, avec la flambée du prix du bois, avant, je demandais au propriétaire... Donc, quand le propriétaire m'appelle, tu vois, parce qu'il a un projet, avant, je lui demandais d'avoir au moins 1000 euros du mètre carré de côté. Comme ça, je suis sûr que le projet arrive au bout. Maintenant, non, il faut que j'augmente. Il faut que je revoie, d'ailleurs, tous mes calculs. Il faut que j'augmente, mais je pense passer à 1300, voire 1500 euros. Parce que sinon, t'es pas sûr d'arriver au bout. Là, en deux ans, là? Ouais. Mais tout a tellement augmenté, là, ces derniers temps, que ça me pose un très gros problème, parce que j'ai envie que les maisons coûtent le moins cher possible. Mais tu peux même plus t'engager, parce que si tu dis, on va être à peu près à 1000, 1003, et qu'il y a encore des augmentations... Je m'engage que si je sens que le projet est vraiment... Enfin, on va arriver au bout.
Ouais. Après, il y a des façons de faire différemment, moins cher. Toi, tu as réussi à faire pour la tienne de maison, tu as fait 300 euros. Oui, mais j'ai travaillé tout seul. Et... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et oui, après, on peut sûrement réduire. Tu vas couper toi-même un bon bout de bois. Ouais. Tu enfin, vas à la scierie voilà, toi-même. Ou tu fais scierie mobile, c'est sûr que tu dois réduire les coûts, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas le même travail non plus, quoi. Et même engagement, quoi. Elle serait où la cuisine, par exemple, ici? Comment vous... Ah, vous là-bas. La voyez ici, d'accord. Ouais, en fait, là, il y aurait la cuisinière de masse qu'on va faire sur le modèle de Uzume, d'ailleurs. Qui est... Ouais, Uzume, U-Z-U-M-E, ouais. Qui mettent tous leurs plans en accès libre, qui font des batch box rocket stove, donc des poêles de masse rocket, avec un foyer super chouette. Enfin, vraiment, ils font du bon boulot. Et soit ils accompagnent, soit tu as les plans sur internet, soit ils te vendent des kits. Nous, on part sur essayer de le faire tout seul 100%, on verra bien ce qu'on fera, mais pour le moment, c'est plutôt ça, quoi. Et alors, petite question, excusez-moi, le sol, vous allez faire quoi et comment? C'est coulé, c'est comment? Alors là, c'est un hérisson. Il y a 45 cm de gravier, on en a mis trop. Il va falloir qu'on en enlève un peu. Parce que... Non, mais là, il faudra l'enlever. Non, mais si, il faut dire les conneries qu'on fait. Non, non. Mais non, non, parce que s'il y a des gens qui ont fait le chantier qui regardent. Oui. Alors, oui, il y a eu des brouettes et on a eu une équipe de dingue l'an dernier sur le mois de mai. Des gens super motivés. C'était super chouette. Ils faisaient un temps de merde, mais on a fait beaucoup de brouettes. Et on va enlever 10 cm là et on va couler une dalle Puzo chaud. Et après, on fait un sol en terre dessus. Sol en terre, ouais, terre crue, et après des tomettes à certains endroits. Ouais, sur les espaces où il y aura beaucoup de passages ou beaucoup d'eau, par exemple, ouais, on va mettre des tomettes. Sous la terre, c'est chouette, mais c'est un peu fragile au choc, ça craint les chocs, et ça craint l'usure aussi. Si tu passes toujours au même endroit, hop, ça va faire des... Après, c'est sympa. Ouais, mais c'est facile à refaire après. Enfin, peut-être pas pour la texture, la même couleur. Ouais, c'est ça. Si tu veux un truc harmonieux, ça va te prendre du temps, quoi, pour un sol en terre. A priori, en tout cas, mais nous, on n'en a pas. Mais par contre, c'est très confortable, ça apporte encore de l'inertie. Voilà, c'est plus souple sous les pieds aussi, donc c'est quand même... Et puis c'est beau, quoi. Ouais, c'est chouette. Et c'est surtout, encore une fois, des matériaux non transformés, quoi. Enfin, c'est nous qui les transformons. Et qui... Une vraie maison saine. Voilà, la terre, c'est la terre du terrassement, du terrain. La terre des ennuis de finition, à la base, on était parti sur autre chose parce qu'on avait un plan pour de la terre déjà tamisée gratos. Mais finalement, Mathieu nous a dit non, ça passe pas. Et effectivement, il y avait des fissures partout. On a changé la recette et là, on a la terre du terrain d'enduit de finition, quoi. Ouais. On a un peu d'ocre dedans, mais pas beaucoup, 2%. Donc, c'est quasiment rien en quantité. Mais c'est chouette. Fait la terre du terrain. Dis-moi, Mathieu, dernière question. Après, je sais que tu as pas mal de trucs à faire. C'est quoi les plus grosses difficultés que rencontrent les gens? T'as beau leur montrer. Et sur quoi ils te disent, putain, là, Mathieu, vraiment, faut que tu nous aides, quoi. C'est le truc qui revient le plus, pour que les gens aient une notion un peu quand même s'ils veulent se lancer dedans. La plus grosse difficulté, savoir poser un enduit de corps, faire des murs droits. Ouais, parce que on peut faire des murs courbes, on peut le faire exprès, ou on peut le faire aussi parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. Mais moi, je préfère que les murs soient droits, comme ça les propriétaires, s'ils changent d'avis un jour, et qu'ils veulent poser un meuble à tel endroit, ben, au moins ça passe parce qu'il est plat. Ah, c'est un truc que je pensais pour pas. Les meubles, ouais, bah, ouais, c'est tout con, mais moi j'adore que les murs soient bien plats. C'est pas le cas ici, malheureusement. Tu fais pas de yurt alors. Non, enfin, ouais, mais la yurt, c'est un concept. Donc, non, mais je te chale. Donc, ça pour toi, c'est la plus grosse difficulté, la planéité des murs. Ouais, la planéité des enduits. Des enduits. En tout cas, dans l'enseignement, c'est très dur de montrer à un bénévole comment poser un mur bien plat. Même avec des règles. Hein. Tu passes la règle et puis ils n'arrivent pas à voir les endroits où il y a des bosses ou des... Même avec le plomb, je crois. Avec le niveau. Le filament. Non, on fait avec le niveau, la règle de maçon, quoi. Ouais. Mais même avec ça, ce n'est pas toujours évident. Ensuite, les difficultés... Plein. Ouais, il y en a pas mal, mais qui ne sont pas non plus insurmontables. Donc, ouais. Nous, on a eu plein de difficultés sur le démarrage et on s'en est quand même sorti. Après, je pense que si on avait eu un bon démarrage, ça nous aurait quand même vachement aidé pour bien... Je pense, nous, là où on a trouvé que c'était important de se faire accompagner, sauf si tu te sens totalement autonome et que tu te sens avoir vraiment les compétences... Je pense, sauf si tu es vraiment du métier et que c'est plutôt ce que tu connais que tu vas faire, mais c'est commencer bien
et savoir bien gérer chaque petite étape, mais c'est pas évident parce qu'il y a plein de différentes étapes quand même. Et c'est un... il y a de la technicité quand même. Donc se faire accompagner pour ça. Mais ça se fait. Il y a plein de trucs qu'on a, la charpente, on a dû la faire nous, on s'est débrouillé. C'est débrouillé. Après, c'est moins bien fait que si on avait été bien accompagné et tout. Ouais, mais il y a une fierté. Il y a une fierté, et puis on apprend. La deuxième maison, on ne la fera pas pareil, mais je ne pense pas qu'on oula, en fera une deuxième tout de suite. Ouais, j'allais dire, ouais, on a déjà fini. Mathieu, est-ce que, parce qu'à mon avis, tu es sûrement très sollicité, est-ce qu'on peut citer le nom, comme, si les gens veulent retrouver ce que tu fais comme accompagnement, ouais. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Je te passerai mon site internet. Ouais, ça, tu pourras... mais ça s'appelle comment? Les gens, t'inquiète pas, ils vont regarder eux-mêmes, mais je le mettrai. Ben, ah voilà, bah, tu fait, me fileras le site pas. Internet. Je ne sais même pas. Il vient de changer, j'ai, le nom a changé, ouais. Donc je ne me souviens plus. Moi, je le mettrai en description, mais n'hésite pas, hein, dès que tu sais, tu leur donnes. Ouais, carrément, ouais. Et surtout qu'il est vide pour l'instant, mon site. Il n'y a vraiment pas grand-chose, à part mon numéro de téléphone. Et tu t'opères partout en France ou t'es, partout en France, en Europe, l'Europe proche de la France. Ouais, on ne sait jamais. Mais à mon avis, en ce moment, tu ne dois pas avoir besoin de pub. Non. Mais tant mieux. Ça montre à quel point les gens, ils sont de plus en plus alertes. Merci à toi, Mathieu. Emmanuel Thibault, on a fait un bon tour. Je vais avoir quelques petites questions, parce qu'il y a souvent des questions, pas indiscrètes, mais des questions qui aident un petit peu à cerner les personnages, si on peut dire. Comment on en arrive à pas faire une maison conventionnelle, à se retrouver dans le Tarn-et-Garonne et à se lancer dans un projet quand même très ambitieux? Comment on en arrive là? Je pense qu'on a deux parcours un peu différents sur ça. Tu commences par le tien? Oui, ben, pour moi, c'était vraiment une recherche de sens et une recherche de cohérence par rapport à une éthique. Oui, vraiment une recherche de sens et de ouais. Je pense que c'est un ça. Peu, c'est difficile de. Ouais. Moi, si je m'étais posé cette question, j'aurais aussi du mal à expliquer. Mais alors, pour reprendre simplement. Enfin, tu vas me dire simplement, déjà, comment on arrive dans la permaculture? Parce que c'est quand même maintenant, on en parle de plus en plus, mais vous, avant tout ce qui est Covid et tout, les gens, ils ont eu le temps pendant la période Covid de se renseigner sur certaines philosophies. Comment vous êtes tombés dans la permaculture, tous les deux? Moi, ça partait d'une recherche de sens et de... En fait, je me suis renseignée sur ce qui pouvait... ce qu'on pouvait faire concrètement pour construire le monde dont on, dont moi j'avais envie, quoi. C'est, ça part de ça. Ouais. Tu faisais quoi avant, sans indiscrétion? Moi, je vivais au Québec et j'étais traductrice. Ah ouais, alors là, virage à 960. T'as fait le tour là, plusieurs fois. Ah, c'est impressionnant. Et ouais. Tu vivais dans une maison conventionnelle, je présume, ou... Oui, je vivais en appartement. J'étais citadine. J'avais une vie de citadine qui m'allait bien. Et puis, à côté de ça, je voyageais aussi pas mal. Et voilà, j'ai toujours senti que j'avais pas besoin de tout ce qui m'entourait, quoi. Au niveau matériel. Ah, en matériel, d'accord. Au niveau matériel, et que le fait de vivre en ville, finalement, ça induit un mode de vie, un mode de consommation. Et j'avais l'impression que c'était difficile de me libérer de ça. Sans quitter la ville, en fait. Rien que par rapport au prix du loyer, ce genre de choses. Vous avez quitté la ville, c'est le nom de mon livre. Mais à chaque fois, on en revient. Après, pour moi, c'est mon parcours. Et la permaculture, pour moi, ça répondait vraiment à cette recherche à la fois d'éthique, de sens, mais aussi de quelque chose de très pratique à mettre en œuvre, quoi, et qui nous... Et la perma, t'en as entendu parler comment? T'as regardé ce que faisaient Holmgren et Bill Mollison? C'est qui tes maîtres à penser là-dessus? Comment on se dit, ah ouais, ça c'est bon, ça me parle? Comment t'es tombé devant? Je me rappelle plus en fait. Je me rappelle plus, mais je sais que j'avais vu, j'étais au Québec et j'avais vu des vidéos. Je me rappelle avoir vu les vidéos de Pascal Depienne, par exemple, sur les chantiers participatifs, et parce que, enfin, oui, c'est un professeur de permaculture certifié aussi, et d'avoir compris en fait l'aspect vraiment global et holistique de la permaculture. Je crois que j'en suis venue au départ parce que j'avais fait un jardin potager sur mon balcon.
sur ma terrasse, en ville. Et j'ai découvert que la permaculture, c'était pas une méthode de jardinage, que c'était beaucoup plus large que ça. C'était une philosophie et un mode de conception, en fait, plus une méthode de conception de mode de vie durable, quoi. Le système humain durable. C'est ça qui t'a parlé. Et alors, comment... parce que tu n'as pas répondu directement, mais en même temps, je demande à Thibaut, comme ça, peut-être, parce que je pense que c'est lié pour tous les deux, comment on se perd dans le Tarn-et-Garonne ? En fait, on cherchait tous les deux un terrain. On voulait s'installer, on voulait commencer à avoir une connexion à la terre, on voulait s'y mettre, quoi, vraiment avoir les deux pieds dedans et y aller, avoir plus de cohérence dans notre mode de vie, parce que c'était chouette de bouger chez les uns, chez les autres, mais on avait envie d'ancrage. Et là, le fait de trouver un terrain, pourquoi le Tarn-et-Garonne Le prix. Déjà, clairement. Un peu plus d'eau que là où d'où on venait, qui était vraiment l'Hérault, Montpellier, donc encore plus sec qu'ici. Même si ça a tendance à vraiment repartir. Partout. Devenir assez sec quand même. Puis les vallons, le fait que ce soit diversifié, en fait, que ce soit, on n'est pas sur un espace où c'est tout plat, donc énorme monoculture, voilà. Et du coup, il y a quand même une diversité tant au niveau des productions que des personnes. Enfin. Vous n'avez pas de famille ici ? Non. On est loin de nos familles, par contre. Elles sont toutes les deux vers Montpellier. D'accord. Non, et puis aussi, on cherchait un terrain. On avait envie de trouver assez rapidement, je pense. Et c'est là qu'on a trouvé et on a eu de la chance parce qu'on y est bien, quoi. Vous étiez proprio avant sur Montpellier ? Non. Non, même pas. Non, pas du tout. Vous avez dû monter votre... Moi, j'avais posé mon sac à dos chez ma maman en revenant du Québec. Et voilà, je faisais du woofing en France. Et vous êtes rencontrés en woofing ? On s'est rencontrés sur une petite formation de perma que donnait un copain. Excellent. Et après, en fait, Emma allait sur les lieux de permaculture, là où moi j'avais déjà été. Et rapidement. On parlait de toi, on disait ouais, t'inquiète pas, il est cool, tu peux y aller. On s'est dit vas-y, on y va tous les deux. Excellent. Mmh. Ah ouais, c'est là-dessus. Ah, c'est construit ensemble, quoi. Ah, c'est pas à Montpellier alors que vous êtes. C'était du côté de Montpellier. Quand on se lance comme ça dans un projet, on peut dire, aussi ambitieux, c'est quoi les conseils que vous donnez aux gens ? Eh ben, c'est de ne pas hésiter à se faire aider parfois sur certains points techniques qui peuvent... Enfin, voilà, pour être sûr que ça soit fait correctement. Là, par exemple, sur la partie enduit, Mathieu est venu vous aider aujourd'hui sur la partie enduit. Enduit de finition, ouais. Oui, on avait fait appel à quelqu'un d'autre pour le début de la maison. Il n'a pas fait là, c'est nous qui avons dû faire la charpente finalement, mais oui, le démarrage de ça, ouais. Donc pour vous, sur certains trucs. Trucs, c'est important. Après, un autre conseil dans un autre sens, c'est bien réfléchir. Essayer de prendre le temps de bien concevoir. Bien observer, si on a l'opportunité d'observer. Après, nous, par exemple, ce qu'on dit souvent en permaculture, c'est observer pendant 2 ans avant de faire quelque chose qui est irrémédiable. Mais ça dépend, est-ce que c'est vraiment réalisable ? Parce que si toi, tu n'as pas d'habitat, que tu es obligé de louer un truc à côté pour t'installer et répondre à tes besoins en allant au supermarché pendant 2 ans, sans rien toucher, c'est pas forcément cohérent non plus. Nous, c'est pas ce qu'on a fait, mais prendre le temps, et bien regarder. Nous, vraiment, un des principes de PERMA qu'on a vraiment du mal à intégrer, comment on s'est intégré, c'est lentement et à petite échelle. Comment c'est petit, quoi. Il y a un truc qui est s'envolé derrière, mais c'est bien, c'est en live. Lentement à petite échelle. C'est vrai, ouais. Moi, souvent, je dis étape par étape, ouais. Parce qu'on vise toujours, bien sûr, c'est qu'elle soit finie, l'étape, le Graal. Mais il ne faut pas peut-être se presser sur chaque marche. Une marche peut te faire trébucher très vite, je présume. Ouais. Après, partir du global pour arriver au détail, ça, c'est un principe important aussi. Comme je te disais, tu vois, si on fout un arbre là et puis qu'au final, on passe avec la pelleteuse dessus, c'est dommage. On doit l'enlever ou on va se faire chier à contourner. On va sûrement abîmer d'autres trucs. Perdre d'énergie. Donc, quand même, regarder globalement tout ce qu'on souhaite faire, même si ça évolue au fur et à mesure. Hein, ça, c'est jamais figé. Ouais, et puis prendre soin du processus. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce qu'on fait à chaque instant.
Et c'est important de sonder et d'être OK avec ce qu'on fait, de savoir pourquoi on le fait à chaque moment et de ne pas chercher quelque chose qui sera plus tard, de ne pas chercher quelque chose à atteindre ou de ne pas vouloir montrer. En fait, la vie, c'est ça, quoi. Se faire plaisir à l'instant T et pas vouloir faire du show. Enfin, c'est comme ça que je perçois ce que tu dis. Être conscient, en fait, être présent à ce qu'on vit et de ne pas chercher à être à un autre endroit ou à un autre moment. Parce que dans une construction, dans un projet comme celui-ci, c'est sur des années, en fait. Et le but, ce n'est pas juste d'avoir une maison terminée. Hein. Ce n'est pas vraiment ça, le but. C'est le voyage qui est beau. Voilà. Ouais. Même si c'est pas facile hein, de vivre ça vraiment, mais des fois, si on se brûle dans ce qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on fasse un pas de côté, qu'on prenne du recul pour réfléchir à pourquoi on le fait et qu'est-ce qui se passe pour nous. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de bout du tunnel, parce qu'il n'y a juste pas de tunnel. Il faut juste arriver à kiffer ce qu'on fait. Vous vous sondez des fois en vous disant est-ce que tu es encore bien, tu es heureux, tu es heureuse dans ce qu'on fait, est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que c'est des questions que vous posez Généralement, chaque année, en hiver, on se fait un design humain de regarder, ok, on en est où. Y a plusieurs process qui existent sur la gestion de projet pour ça. Autour du poil de masse, dans la vie, j'imagine. Voilà, on se met bien au chaud, mais voilà, on se titille, tu vois, on se dit ok, on en est où, est-ce que ça c'est encore ce qu'on veut. Qu'est-ce qui nous appelle, quelle priorité on a envie de donner. Qu'est-ce qui t'a moins plu, tout ça. Ouais, on fait des bilans. Parce qu'on change aussi et on apprend aussi, enfin nous en tant que couple aussi, entité de couple, et ben on a évolué aussi dans notre façon d'être et de travailler ensemble. Ah ben alors là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui ne ressemble pas à ce que vous imaginiez les premiers jours? Vous avez 2 heures, allez-y. Ouais, après c'est ça. Je sais pas, moi je crois que j'imaginais pas. Enfin, en fait, on n'imagine pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'est un peu lancé. On a fait, allez, on fait. C'est un peu comme. Enfin, voilà. Mais ce qui a changé, je dirais. Alors après, je sais pas si ça concerne que le couple, mais notre rapport au travail aussi. On arrive avec beaucoup d'énergie, on a mis plein d'énergie dans le projet. Et là, on commence à se rendre compte qu'il va falloir ralentir un petit peu parce qu'on commence à fatiguer. Alors, on aime toujours autant ce qu'on fait, mais par contre, on se rend compte que la vitesse, c'est peut-être pas... Ouais. Et dans notre couple, tout. En fait, ça change tout le temps parce que on est 2 personnes qui évoluent. Et du coup, si on n'arrive pas à... des fois, ça entrechoque, hein. C'est pas toujours facile. Hein. Mais voilà, on apprend à faire ensemble, vivre ensemble, et c'est chouette, on aime bien. Enfin, ça dépend des moments, mais il y a plein de moments chouettes, quoi. Je vais reprendre une phrase d'un grand philosophe que vous connaissez, Dominique Guillot, qui m'a dit « De vouloir tout faire précipitamment, c'est un divorce en 3 ans. Ouais, » clairement, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est sûr. Surtout si tu t'écoutes pas. Parce que moi, je suis le précipité du couple. Manu, la réflexion du couple. Et du coup, si tu n'arrives pas à t'écouter, c'est chaud. Mais voilà, là, parler. En fait, se parler, quoi. Et puis, des outils comme la CNV nous ont pas mal aidé, quoi. Communication non violente. Je dis pour les gens qui ne connaîtraient pas. Pour qui... Ouais, comprendre qu'il n'y a pas une vérité, en fait. On a chacun la sienne. Voilà. Et on a chacun la façon de vivre les choses, quoi. Et de les... Sauf sur un chantier, oui, et en même temps, la vérité d'aujourd'hui est peut-être différente demain, quoi. On ne sait pas. Bon, après, oui, il y a des trucs qui... Ça marche ou ça ne marche pas. Mais il y a des trucs, par exemple, ça marche chez toi, ça ne marche pas chez l'autre. Et sans rentrer dans le détail, les 2-3 trucs qui vous ont fait peut-être vous dire « Eh, là, faut qu'on parle, là, ça saoule, là. » Un truc sur lequel vous n'êtes pas entendu. Qu'est-ce qui pourrait être source de conflit, en fait? Déjà ça, plein de tout trucs. Ouais, non, mais c'est clair. Vrai, c'est vrai. Quand on a construit la yourte, on s'est pris la tête, mais. Ah, mais deux. Laisse tomber. C'était la première fois qu'on faisait un chantier ensemble. L'énergie, quoi. Parce qu'en fait, Thibaut, on s'est rendu compte qu'on ne réagissait pas de la même manière au stress. Et Thibaut, lui, quand il stresse, il accélère. Et il positivise tout le temps. Je dis que c'est cool. Il n'y a pas de souci. Ouais. Il pleut dans la yourte, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, et moi, c'est le contraire, quoi. Et moi, je ralentis, je réfléchis, et puis j'essaie de voir. Je vois tous les problèmes et j'essaie de les résoudre un par un.
Et mais du coup, voilà, si je vais à fond dans ma tendance, ben on n'avance pas. Et si Thibaut va à fond dans sa tendance, ben on refait. Ah, y a de quoi se perdre là avec vos deux. Ouais, mais si tu harmonises les deux, moi maintenant j'ai pris beaucoup de ses compétences pour voilà, ok, arriver à réfléchir plus. Elle d'aisance aussi à aller, vas-y maintenant, c'est bon, on a décidé, on y va quoi, tu vois. Et du coup, on, voilà, franchement. Et puis on voit l'aspect positif de la tendance de l'autre aussi, et on est arrivé vraiment à équilibrer cette opposition et à en faire quelque chose de, enfin justement de le valoriser en fait sur. Ouais, c'est moins source de conflit maintenant. Ben en fait, le conflit nous permet d'évoluer parce que en fait, il y en aura toujours des conflits et on essaye de. Comme on peut, hein, de réagir au conflit comme ok, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut le changer, qu'est-ce qui ne va pas pour toi, et de s'écouter un peu. La CNV nous aide. C'est souvent CNV après le conflit que pendant. On n'est pas encore au stade où on arrive à vraiment l'imprégner tout le temps. Bah ouais, mais c'est pas facile, hein, franchement, c'est chaud. Moi, je m'embrouille jamais hein, dans ma maison. C'est vrai, toi. Je suis tout seul. Attends, tu peux t'embrouiller avec toi-même. Non, ça, c'est plusieurs personnalités. Non, mais pour vous dire que je. Tu sais, c'est un peu comme les couples qui se mettent ensemble. Ils disent, ben, on s'est installé vite parce qu'on veut savoir si on s'entend. Et il n'y a que en le vivant qu'on peut savoir. Donc, c'est un petit peu, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est un peu notre cas. Après. Nous, on s'est installé vite. On a vite fait un enfant. Enfin, on a tout fait vite, en fait. On a fait la maison vite. Et en fait, voilà, après, c'est une question de s'harmoniser. Et de prendre. Mais au moins, vous savez directement. Vous êtes dans le bain directement et c'est bon, ça. Parce qu'au moins, vous n'allez pas par quatre chemins. Vous savez où vous allez et vous le vivez, quoi. Bon, dernière petite question, parce que vous savez que j'en aurais beaucoup, sinon. Je suis trop bavard. Comment vous imaginez ce lieu dans 15 ans? Ce sera quoi son but une fois que vous aurez bien avancé? Comment chacun vous le percevez, ou peut-être ensemble, je pense que peut-être que vous en avez déjà parlé, c'est quoi le projet final dans 10-15 ans? T'as un truc en tête là, toi? Bah, moi, ce que je vois là tout de suite maintenant, que j'ai envie de voir apparaître sur le lieu, c'est des arbres, quoi. Parce qu'on a dû se retenir pour ça, donc on a planté vraiment une haie avec beaucoup d'essence et tout, mais on attend. Voilà, pour les arbres, et je pense que reconnecter, parce qu'on a été beaucoup dans le dur, beaucoup dans la construction, la conception, on est encore beaucoup dans quelque chose de très cartésien, etc. Et je pense que voilà, là, on ressent un besoin de connexion avec plutôt l'aspect végétal, naturel, de l'eau aussi, de pouvoir faire... Mais c'est plus une harmonie dans la routine. C'est-à-dire qu'en gros, nous, nos journées, elles peuvent être le matin, tu vas réparer un truc, l'après-midi, on va travailler sur un autre truc. Enfin, ça change tellement qu'on n'a pas vraiment de routine. Et c'est bien de ne pas en avoir trop, mais je pense qu'il y a besoin quand même de... Enfin, la nature, elle est cyclique et nous aussi un peu, quoi. Et comme les arbres. Ouais, voilà, du coup, le fait d'avoir des cycles dans notre façon de vivre, et du coup aussi une petite harmonie sur le terrain. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir autant de matos de récupération, de stockage et de tout ce que tu veux, mais visuellement, ça peut des fois peser un peu. Il y a un gars qui venait chez nous, je sais plus ce qu'il faisait, venait faire un gars pour une radio. Je lui dis, tu vois quoi là? Il me dit, une déchette. Oh merde. C'est vrai. C'est pour ça que je reçois très peu en ce moment, parce que j'ai l'impression d'être en chantier et ça me gêne de recevoir dans ces conditions. Donc, dans 10-15 ans, pour revenir sur la question, vous imaginez une forêt fruitière ici, alors un petit peu? Ouais, pas mal de fruitiers, ça c'est sûr. Et puis, je sais pas. Je vous n'êtes pas vu aussi loin? Déjà finir la maison. Ouais, on essaye de pas trop si bien. Chaque année, on se fait quand on dit processus de rêve humain, aussi on essaie de se débrancher de notre cerveau et on fait un petit processus de méditation qui est en gros, on s'imagine devenir un arbre, puis partir être un oiseau et survoler le terrain, en gros, et voir qu'est-ce qu'on ressent au moment présent avec ce qu'il y a. C'est une projection. Ouais, c'est ça. Imaginer pour que ça se réalise. C'est de ce moment-là, et puis après on revient sur notre branche, et puis 5 ans, 10 ans passent, et on retourne pour voir, tu vois. C'est l'idée, final, c'est plus de sonder. Qu'est-ce qui vous anime, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'anime au fond, et qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, je vois de la vie, des enfants,
va falloir y aller, quoi. Bah, peut-être que vous allez recevoir aussi ouais, de la vie humaine et végétale. Oui. Je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite. Ouais. Mais après, quand on a un lieu dans lequel on se sent bien, je présume que c'est aussi plus simple pour... Après, on sent bien. Est-ce que vous avez un message à passer ou quelque chose à... Déjà, est-ce que vous pouvez parler de Chouette de Vie, un petit peu développer ce que vous... Ce qu'on propose et ce qu'on fait. Ah, mais, et un peu, c'est ouais, vraiment promo. Oui, en fait, on propose des formations à la permaculture, donc soit des initiations sur un week-end ou des formations sur 2 semaines. On en a un peu parlé, hein, on expliquait. Et puis voilà, pour l'instant, des chantiers participatifs autour de la construction de la maison. Mais on travaille aussi au jardin, parfois. Après, oui, on vend aussi des plants et un peu de semences, mais ça, c'est vraiment local, quoi. Et voilà, après, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont un projet de qui souhaitent être accompagnées, mais il faut qu'ils soient pas loin de chez nous, quoi, aussi. C'est pareil, on travaille qu'en camp local pour ce genre de choses, parce qu'on se déplace pas beaucoup, on a déjà beaucoup de choses à faire chez nous. mais voilà, aussi, on accompagne des projets. Dans ce sens-là, quoi. Des projets collectifs, quoi. Bien sûr, je mettrai le lien en description. Les gens verront tout ça. Vous voulez rajouter une dernière chose à titre personnel, pour que ce soit dans les méandres d'Internet, que ce soit perdu, que quelqu'un tombe un jour sur un discours, même pour vous peut-être, vous dire hey, « regarde ce que j'ai dit il y a 10 ans ». Ça, c'est gênant, ça, souvent. Parce que c'est rare de rester sur, comme vous vous dites, hein, on change tous les ans déjà, même très souvent. Mais n'hésitez pas, vous avez 3 minutes chacun. Je peux raconter une petite histoire, moi qui m'a transformé et qui encore m'accueille, qui résonne encore en moi. Quand tu lances comme ça, c'est avec plaisir. Mais en fait, l'histoire, c'est des ethnologues, anthropologues. Non, pas d'ethnologues, ethnologues, c'est les oiseaux, ça, non? Non, c'est ça. C'est pareil. Ethnologues, anthropologues qui sont allés à un village reculé en Amazonie et qui ont fait faire un petit test aux enfants. Ils ont mis, il y avait un vieil arbre au loin, ils ont mis des paniers de fruits, remplis de fruits. Ils ont dit le premier qui arrive au panier, ils ont mis en ligne ensemble, à une distance de je ne sais pas combien de mètres de l'arbre. Ils ont dit le premier qui arrive là-bas, il a gagné son contenu, quoi. Ils ont dit top. Et là, les enfants, ils se sont allés tranquilles, ensemble. Je sais plus si en se donnant la main ou pas. Puis ils sont arrivés là-bas et le gars leur a dit mais vous avez pas compris, le but c'était que le premier qui arrive il gagne le panier, vous avez pas bien compris l'objectif. Ils disent Ubuntu qui signifie je suis parce que nous sommes. Et moi je pense que dans ce monde, moi je me suis construit par plein de gens dont on a cité, tu vois, Pascal, tes vidéos à toi, des vidéos de plein de gens, des échanges avec énormément de gens. Et du coup je remercie aussi ma famille, qui m'ont beaucoup soutenu et qui nous soutiennent beaucoup. Et voilà, et bah ouais, on se construit par les autres, alors soyons ce qu'on veut voir, quoi. Et alors ils ont répondu quoi, les enfants, quand le prof a dit pourquoi vous vous battez pas Ubuntu, je suis parce que c'est sommes. C'est ça, justement. Ouais. On est rien sans les autres, en fait. D'accord. La résilience, pour nous, c'est pas forcément... Alors c'est une vision, hein, mais c'est aussi par les échanges et les interactions et le vécu, quoi. Comme je disais, j'avais un petit jardin sur ma terrasse et j'avais mis des tomates, des concombres et en fait, ce qui a bien poussé au Québec, c'était les blettes. Et donc un jour à midi, je me fais une salade et en fait, je cueille la blette, je la mets dans mon assiette et je me fais une petite vinaigrette. Et là, je réalise, je me dis mais en fait, là, je viens de faire un geste et en fait, ça c'est juste un geste très très simple. Mais pour avoir cette feuille de blette dans mon assiette, j'ai commencé à me dire « Ah, donc il aurait fallu que j'aille au magasin pour l'acheter. » Mais déjà, il aurait été peut-être emballé, parce que parfois, c'est emballé. Ensuite, il a fallu un camion pour l'amener. Donc j'ai commencé à avoir toute la chaîne, et en fait, à la fois la chaîne humaine et la chaîne matérielle pour en arriver jusque-là. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience du lien entre les choses et aussi de l'importance d'aller vers le low-tech, le simple, et de reprendre possession de notre de ce qui nous entoure, en fait, finalement. Bah, écoute, dans le bon sens du terme. Non, mais c'est chouette. Non, mais vous me voyez, c'est vrai que je me dis, les gens, ils ont peut-être pas... Je ne fais qu'acquiescer, je comprends beaucoup. Bah, Emmanuel Thibault, merci de nous avoir accueillis sur votre lieu, et c'est très inspirant. Je vous remercie. Merci beaucoup.